Monsieur Damien. Madame la comtesse. Je veux vous remercier de nous avoir prêté votre fille. Vous obligez, madame, est le premier et le plus agréable de mes devoirs. Vous aviez besoin d'elle. Il était tout naturel qu'elle vint à Fairbrook. Oh, sans elle, que serions-nous devenus? Ma pauvre tante, la marquise, était l'esprit le plus chimérique qui fut. Cette idée de nous léguer ce château, à condition que nous y passions un mois chaque printemps, c'était somme toute assez touchant. Délicate pensée. Oui, un mois à la campagne pourvu qu'on y donne un bal ou deux, c'est vite passé. Le moyen d'ailleurs de refuser Fairbrook, c'est un bijou. Mais la clause du testament qui nous obligeait à élever 12 petits orphelins dans l'aile gauche, elle a dû bien rire en l'écrivant. Peut-être qu'un souci de charité chrétienne. Ma tante était nourrie de philosophes. Ce ne peut être que par politesse qu'elle ait voulu faire en mourant un petit geste pour le ciel. Et elle haïssait les enfants. Peut-être qu'une sorte de remords. Oh, monsieur Damien, vous ne connaissez pas ma tante. C'était une femme étonnante, incapable d'aucune sorte de remords. Non, je ne vois pour ma part qu'une seule explication à la création de cet orphelinat, le désir de nous jouer un bon tour posthume au comte et à moi. Remarquez que Tigre a très bien pris la chose. Il adorait se disputer avec sa tante. C'est bien, s'est-il écrié quand le notaire eut achevé la lecture, elle veut que ces 12 marmots nous cassent un mois par an les oreilles, nous parerons la botte, ma chère, nous prendrons 12 petits sourbets. Oh, je suis sûre qu'en entendant la riposte, ma tante a dû faire un tour sur elle-même dans le mausolée de la famille à Passy. Et vous avez cependant renoncé au projet? J'ai cru entendre ces gamins en passant dans le parc tout à l'heure. Ah oui, oui. Eh oui, le testament spécifiait malheureusement orphelin. Or, le monde a beau déborder de misère, quand il s'agit de mettre la main sur 12 orphelins sourds et muets, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile. Et Tigre, qui n'a jamais eu le courage de pousser bien loin ses vengeances, a décidé, toute réflexion faite, que ce serait par ailleurs assez triste. Eh oui, nous avons donc réuni 12 orphelins pourvus de salides cordes vocales, et nous nous sommes réfugiés dans l'aile droite. Fairbrook est vaste, Dieu merci. Or, le problème n'était plus que d'organiser la grande fête de charité que nous avions décidé de donner Tigre et moi pour l'inauguration de l'orphelinat. Oh, Tigre est un homme merveilleux pour cela. Un des derniers hommes de notre temps qui ait compris qu'il fallait prendre la futilité au sérieux. En une nuit, il avait trouvé le thème du bal et celui de la fête. Oh non, je ne vous dis rien. Ah, madame la comtesse. Ah, je ne vous dis rien, c'est encore un secret. Le lendemain, les tapissiers arrivaient de Paris. Nous avons passé 8 jours merveilleux dans la fièvre et les coups de marteau, dévorant nous-mêmes les pointes, assortissant des échantillons en pleine nuit, nous sustentant la morceau de pain qu'on nous tendait sur nos échelles comme à les cacatoès. Oh, Tigre était extraordinaire. Bref, tout allait bien. Le grand jour approchait quand l'autre matin, coup de théâtre, les orphelins nous tombent dessus. Nous les avions complètement oubliés. C'est alors que je vous ai envoyé ma dépêche. Et que vous avez eu la gentillesse de nous prêter votre filleule pour nous tirer de ce pas. Elle se plaît ici? Elle adore les enfants. C'est son métier, je crois. Oui. À la mort de sa mère, elle a dû prendre un état. Elle s'est orientée vers la puériculture. C'est une culture comme une autre. J'aime mieux mes rosiers, ils ne piaillent pas. Oh, avez-vous visité les serres de Fairbrook? Je n'ai jamais vu autant de merveilles réunies. Je n'ai rien vu. Depuis hier soir que je suis là, j'ai eu que le temps de me costumer et d'essayer de retenir mon rôle. Vous avez été si gentil d'accepter d'être de la pièce au pied de lui. Oh, la défection inattendue de Gonto Biron, qui devait jouer Trivelin, avait plongé Tigre dans le désespoir. Je craignais le pire. Vraiment? Ah, vraiment? Tigre a la façon la plus inattendue d'attacher de l'importance aux choses. Il s'est, paraît-il, merveilleusement conduit pendant la guerre. Résistant seul sur la Loire, alors que tout le monde était déjà à Toulouse, avec un petit canon thermique mal rafistolé et qui ne voulait plus se détraquer contre une nuée de grenadiers poméraniens. 5 heures après l'armistice, il tira encore. Les autres, avec leurs porte-voix et leurs drapeaux blancs, avaient voulu crier qu'il était ridicule. La reddition de la France était un fait qui ne le concernait en rien. Mais son dernier rebut tiré, il a demandé un bain aux Allemands, il s'est rasé, s'est fait faire les mains. Son ordonnance, le seul survivant avec lui, était manucure. Et il n'a plus jamais reparlé de la défaite. Mais un bal compromis, c'est autre chose. Il serait capable de se tuer, comme Vatel. Oh, je suis heureux de lui épargner cette pénible obligation, en assumant ce petit rôle. J'avais un joli talent d'amateur à 20 ans. Oh, vous l'avez certainement gardé. Un homme de loi ne cesse jamais de jouer la comédie. Ou le drame, hélas, quelque part. Eh bien, répétons-nous.
Oui, la pièce est de Marivaux, il ne peut pas être question de faire du texte. Où est votre filleule, monsieur Damien? Elle est tout de même abusive que ces 12 orphelins l'accaparent. Nous avons besoin d'elle, nous aussi. Elle surveillait leur coucher et elle devait nous rejoindre. Soyez bon, allez l'arracher aux griffes de ces 12 intrigants, nous l'attendons pour commencer. Allez, allez, allez. Ah, ma chère, tout s'annonce bien. La pièce pendant le dîner est une idée ravissante. Un personnage se lève de table et en interpelle un autre. Ils commencent à parler, on les écoute. On croit qu'ils ont effectivement quelque chose à se dire. Leur ton surprend un peu au début, mais j'aurais eu soin, et vous aussi à l'autre bout de la table, de donner à la conversation dès le début un petit tour 18e pour rendre le passage insensible. Quand on commence à penser qu'il parle peut-être un peu trop, un autre personnage entre, un valet qui les prend à partie. Stupeur d'abord, on trouve nos domestiques bien mal stylés et puis on reconnaît la pièce, c'est trop tard, elle est commencée. Il n'y a pas ce moment d'effroi qui saisit toujours les gens du monde quand on les assoit sur des chaises en face de scènes d'amateurs. Un seul point noir. Ils parlent tous de Marivaux. La plupart ne l'ont jamais lu. Tant mieux, ils croiront que c'est de moi. Hein? D'ailleurs, il ne faut pas dire trop de mal de ces gens-là, ma chère. Ils sont ineptes, c'est entendu, mais on ne demande pas à notre classe de produire des génies. Nous sommes trop peu nombreux pour nous offrir cela. Nous laissons cette prime au peuple qui a les moyens de décanter 1 million de cutéreux sur 3 ou 4 générations pour sortir triomphalement un lauréat au concours général ou un président de la République. Ce que l'on demande à notre classe, c'est d'être cohérente et de durer. Nous avons du talent à nous tous et sur plusieurs siècles, on fait ce qu'on peut. Un autre point noir. S'ils écoutent la pièce, tout sera froid. Tant pis, on les fait toujours trop bien manger, ça les changera. Vous avez l'esprit chagrin ce soir, ma chère. D'ailleurs, le menu du souper sera combiné suivant les nécessités dramatiques. Ah oui, je ferai apporter la langouste et le champagne au moment où l'intérêt faiblira, de simples cure-dents au moment poétique, pour leur donner les gestes de la méditation. Rien ne rend plus rêveur qu'un petit morceau de viande qu'on essaie de dénicher entre deux molaires. S'ils font le geste, nous avons une chance pour qu'ils pensent. Oui, paraît clair. Enfin, ils n'étaient pas moins bêtes au grand siècle, c'est tout de même eux qui ont fait le succès de bons auteurs. Ah, je crois que cette petite fille sera charmante dans Sylvia. Je trouve qu'elle manque d'éclat. Je me demande pourquoi vous avez tout bouleversé pour lui donner le rôle. Ah, précisément. Elle tranchera sur vos éclatantes amies. Elle brûle d'un feu intérieur qu'elle noie sous sa réserve. Cela nous changera de toutes ces belles personnes qui font feu de tout bois pour briller. Cela donne des flammes ravissantes tout un soir, et puis quand on est seul avec elle en rentrant, le feu est éteint. Seriez-vous amoureux d'elle? Moi? Ah, pas du tout. Tant mieux. C'est pas une fille pour vous. L'ennui. Mais l'ennui, c'est le costume Louis XV et la perruque. Ça fait drager, non? Oh. Mais ça doit faire partie du système de vengeance de ma tante. Fairbrook est un château du 18e, nous ne pouvions pas y couper. Ah, dans un manoir Renaissance, nous aurions réussi quelque chose d'étonnant. Je leur aurais donné une petite pièce de Marguerite de Navarre qui est adorable et que personne ne connaît. De toute façon, il est trop tard maintenant. Ah oui, il est trop tard, oui. Mais je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas trouvé quelque chose pour rendre le Louis XV drôle. Alors j'avais bien pensé à imposer la barbe aux hommes. Mais c'était être original à bon marché. Ou faire un Louis XV 1900. Mais il n'aurait jamais su, il ne faut pas trop leur en demander. Quel âge a-t-elle? 20 ans, tout juste. Il faudrait que vous y pensiez avec moi. À quoi? Au costume Louis XV. Nous pouvons tout aussi bien sombrer dans le banal à cause de cela. J'en meurs d'angoisse. Et si nous demandions à nos amis de venir tous sans perruque? Ah oui, ce serait déjà mieux. D'autant plus que cette petite a une couleur de cheveux exceptionnelle. Ce serait un crime de la poudrer. Moi, je la trouve laide. Moi aussi. Je parlais de la couleur de ses cheveux. Vous savez que vous êtes libre, Tigre. Rendez-moi cette justice que je ne me suis jamais mêlée de vos affaires de cœur. Ne papillonnez pas trop autour d'elle, tout de même.
Damien est l'homme d'affaires de ma famille depuis plus de 30 ans. Et je serais désolée qu'il lui a se plaindre de lui. Pour qui me prenez-vous, ma chère? J'ai des défauts considérables, mais personne n'a encore mis en doute le fait que je sois un homme bien élevé. Avec ma chevalière et mon nom, c'est d'ailleurs à peu près tout ce qui me reste en propre. Oui, excepté Fairbrook et les 12 orphelins. Ça n'empêche rien. Oh, je vous demande pardon, ça empêche beaucoup de choses. Mon père, qui était un homme parfait, a pris la peine de me mettre en garde sur ce point-là avant de mourir. J'étais bien jeune, mais je n'ai jamais oublié son conseil. Le seul d'ailleurs qu'il ait trouvé à propos de me donner. C'était quelques heures avant sa mort. L'évêque attendait dans l'antichambre avec tout son clergé pour l'extrême onction. Il a demandé qu'on me fasse entrer d'abord. Mon garçon, m'a-t-il dit, je m'aperçois, un peu tard, que je ne me suis jamais occupé de vous. J'ai très peu de temps, je plie bagage. Monseigneur m'attend pour m'estampiller. Sur l'honneur, je vous fais confiance. Pour le reste, vous improviserez. Ça n'a pas grande importance au fond. Un point cependant, vous êtes jeune, vous allez avoir envie de vous distraire. Faites toujours ce qui vous fera plaisir. Mais seulement avec les femmes de votre monde. Avec les autres, cela tombe toujours mal. On finit par épouser sa bonne ou une chanteuse et c'est le bagne. Ou bien on fait des bâtards à sa couturière et en grandissant, il s'aigrisse et fomente des révolutions. Des turpitudes, mon petit, soit. Nous ne sommes pas des anges, mais entre soi. Maintenant, faites entrer l'évêque, je vais lui vider mon sac afin qu'il m'expédie. Mon père était un homme admirable. Je ne le voyais jamais, mais je me suis aperçu que je l'aimais de tout mon cœur. J'ai l'impression, Tigre, ce n'est pas un reproche, que vous lui avez en effet donné votre cœur et que vous n'en avez plus jamais disposé d'une parcelle depuis. Comme votre conversation est sombre aujourd'hui, ma chère, n'allons pas nous donner le ridicule de dramatiser tous les deux. D'ailleurs, vous savez que je vous aime beaucoup. Je n'ai eu de sentiment de cœur pour personne que pour vous. Ne le répétez pas, Hortensia, cela me ferait toute une histoire. Vous leur dites que vous les aimez d'amour à vos maîtresses? Oh, il faut bien, les femmes sont tellement formalistes. Je crois bien que vous êtes la seule femme à qui je ne l'ai jamais dit. Parce que cela n'était pas. Quel grand cadeau. Attendez-vous que je vous remercie? Parce qu'il y avait entre nous autre chose de délicat et de ravissant qui me dispensait de vous mentir. Secouons-nous, Eliane, je vous en prie, nous allons bétifier dans un instant. L'amour est le pain des pauvres. Ne nous mettons pas sur le tard à pleurnicher l'un et l'autre au milieu de nos aubussons parce que nous ne l'avons pas connu. Il y a des choses mille fois plus importantes au monde que ce désordre inattendu. C'est comme une bouteille qu'on vide un soir pour faire le fanfaron, on paie 2 heures d'exaltation d'une longue nuit de migraine et de vomissement. C'est trop cher. Non, je n'ai d'autre ambition que de faire de ma vie une fête réussie. Et c'est autrement difficile, permettez-moi de vous le dire, que d'ennuyer tout le monde en se tapant sur la poitrine et de souffrir. Oh, d'ailleurs, je ne veux pas être indiscret, mais ma chère, vous avez Villebos. Oh. Ah oui, si vous voulez jouer à ce petit jeu, Villebos ou un autre, que sais-je. Le monde est plein d'hommes rugissants. Villebos m'ennuie. Oh, non, moi je le trouve charmant. Il est jeune, il est beau, il est toujours prêt à sauter de 3 mètres ou à travers un cercle de feu à la demande. Enfin, vous n'allez pas me forcer à faire le panégyrique de cet individu tout de même. Oh, soyez courtois. Cet individu est mon amant, mon cher Tigre. Brisons-la, Eliane, nous sommes au bord de l'odieux. Il y a des conversations que je n'aime pas avoir. J'ai les idées larges, mais les mots étroits. Vous êtes libre, je suis libre, nous nous aimons beaucoup et nous avons à donner à nos amis une fête qui est une véritable gageure dans ce désert, vous le savez. Les gens ne se sont jamais ennuyés chez nous. Nous pouvons, avec cette folie, couler en un soir une réputation de 15 ans. Pensez vraiment que c'est mieux sans la perruque. Oh. Oui, il n'y a pas de doute, vous avez raison, je vais télégraphier le contre-ordre à tout le monde. Vous avez toujours raison, Eliane. Je vous aime beaucoup. Thank you.
m'avez dit que Tigre était avec vous? Il vient de sortir. Il ne pense qu'à cette fête. On ne le voit plus. Ma chère Hortensia, j'ai passé le temps que j'aimais Tigre à être jalouse de ses balles. Je ne souffre pas outre mesure. Va-t-on répéter? Je ne me sens pas très sûre de moi. C'est bien la première fois que je vous l'entends dire. Jouer la comédie, ce n'est pas mon métier. C'est peut-être parce que le texte n'est pas de vous, pour une fois. Nous attendons cette petite qui joue Sylvia. Pourquoi Tigre a-t-il tenu absolument lui donner le rôle? Elle est charmante. Je trouve qu'elle manque d'éclat. Oh, détrompez-vous. Elle brûle d'un feu intérieur qu'elle noie sous sa réserve. Elle n'est pas comme ces éclatantes jeunes femmes qui font feu de tout bois pour briller. Ça donne des flammes ravissantes tout un soir, et puis quand on est seul avec elle, paraît-il, le feu est éteint. Le nouveau caprice de Tigre de décider qu'elle jouera avec nous. Il est vrai qu'il a aussi donné un rôle à son valet de chambre. J'espère que la comédie jouée, il la renverra à l'office avec lui. Ouh, détrompez-vous. Tel que je connais Tigre, pour peu qu'elle ait du succès dans la pièce, il la fera danser toute la nuit. Ce serait extrêmement déplaisant. Ah, ma chère, lui qui ne reçoit pas son agent de change, s'il décide que la filleule de M. Damien est une fille fréquentable, elle le sera. C'est grotesque. Enfin, c'est une sorte de bonne d'enfant ici. Oh, si ses enfants étaient les nôtres, Tigre n'aurait probablement pas osé. Il a du génie pour exploiter les nuances. Et puis, j'aime mieux ne pas vous le cacher, je crois qu'il en mourrait d'envie. Il y a quelque aigreur dans vos propos, Eliane? Oh, au loin de moi toute trace d'aigreur, ma chère. Ou de dépit. Votre liaison avec Tigre m'est tout à fait sympathique. Puisqu'aussi bien nous sommes libres l'un et l'autre, je me plais à reconnaître que vous êtes tout à fait la fille qui lui convenait. Il est très amoureux de vous, vous savez. C'est vrai? Il le dit. Reste à savoir si tout ce que dit Tigre est vrai. Voilà longtemps que j'ai annoncé à le vérifier. De toute façon, je vous jure bien qu'il ne dansera pas avec elle toute la nuit. Pas de scène. Ce serait le meilleur moyen d'y décider. Merci de vos bons conseils, Eliane. Mais je le connais assez bien, moi aussi. Votre robe est absolument ravissante. La vôtre vous va merveilleusement bien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissante d'être belle. Je suis affreusement mortifiée que Tigre s'affiche avec n'importe qui. Tournez. Oh Dieu, que l'interprétation des paniers est cocasse. Oh, Jacques a du génie. C'est toujours Léonore qui vous habille. C'est bouleversant d'avoir réussi à faire des vrais Louis XV avec le petit drapé de la saison dernière. Elle sera là? Qui? Léonore. Elle sera là, bien sûr, c'est une femme qui reçut partout, même chez Tigre. Surtout chez Tigre. Pourquoi surtout chez Tigre? Il est convenu depuis longtemps que Léonore, qui a été harpette, a une grosse situation mondaine. Il ne fait que suivre le mouvement. Oh, Tigre ne suit jamais un courant qu'il n'a pas créé lui-même. Il faut lui rendre cette justice. Ah, je suis sûre que s'il ne s'y mêlait pas un sentiment personnel, Tigre se serait montré tout à coup très pointueux sur le cas de Léonore. Il voit les verres sur le zinc avec des chauffeurs de taxi, mais il ne reçoit chez lui que des gens de son monde. Qu'est-ce qui a bien pu procurer à cette femme cet extraordinaire passe-droit? Le fait qu'elle ait du génie? Tigre ne croit pas au génie en tant que valeur mondaine. Ma bonne, c'est le fait du prince, tout simplement. Je la reçois parce qu'il a eu envie d'elle et qu'elle lui a dit non il y a de cela 4 ans. Comme c'est gracieux à vous de m'avertir. Oh, mais je vous le dis parce que c'est de l'histoire ancienne. Mais avoir résisté à Tigre, il faut croire que c'est un titre assez rare, ma chère, pour vous permettre d'être reçue partout. Eliane, vous perdez vos flèches. Tigre ou un autre, je suis décidée à ne jamais souffrir. Et c'est bien pour ça que je crois qu'il vous est très attaché, et moi aussi. Ah, chère petite Hortensia. Au fond, on a si peu d'amis. Oh, voici Héros. Oh, Héros, je vous aime beaucoup. Mais j'allais vous le dire, ma chère Eliane. Oh. Bon, alors, répétons-nous.
tigre est un tyran de nous faire costumer 3 jours d'avance, je ne sais pas comment me tenir là-dedans, moi. Ah, c'est bien pourquoi il veut que nous habituions. Mmh. Il prétend que ce qui fait le froid des premières heures dans la plupart des balles costumées, c'est que tout le monde se demande si sa culotte tient bien. Oui, mais ma culotte tient bien, c'est mon gilet qui est trop étroit. Oh. Il m'a tout de même dit que nous serions dispensés de perruques. Ah oui, oui, c'est le dernier caprice du tyran. Oui, ben c'est dommage, c'est ce que j'aimais le mieux, je commence à perdre mes cheveux. Bon. Vous avez 37 ans, héros. Oui, et à 40, je serai chaud, ma pauvre Eliane. Mon médecin m'a dit que je fais trop l'amour. Je me suis brouillé avec lui. Parce qu'il a osé vous dire cela? Ah non, non, tout le monde sait à Paris que je suis la bête de somme de ces dames. C'est lui qui s'est brouillé avec moi. Il est barbu comme un prophète, chevelu comme Absalon, alors quand il m'a dit que l'amour rendait chauve, j'ai pas pu m'empêcher de lui éclater de rire au nez, de lui dire « Docteur, vous, j'ai l'impression que vous ne devez pas vous amuser tous les jours. » Alors, il a pris ça très mal. Non. Si, 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 il m'a dit qu'il était marié, père de famille, qu'il avait autre chose à faire de plus intéressant dans la vie. Et qu'il me prédisait je ne sais combien de prostatites ou d'accidents vénériens, et que même si j'échappais de ce côté-là, de toute façon, ça serait une cirrhose du foie. Oh, voilà, le tout m'a coûté 2000 francs. On ne peut plus s'amuser tranquille, hein. Faut payer ces gens-là pour apprendre qu'on va en mourir. Il faut vous marier, héros. Oh. Si vous ne me trouvez pas une femme capable de me faire oublier toutes les autres, ça ne me fera jamais qu'une femme de plus à contenter, mes forces n'y suffiront pas. Puis, quand bien même vous me rendriez amoureux, connaissez-vous une race de femmes qui calme la soif? Oh, héros, héros, vous faites le cynique. Et vous êtes l'homme le plus tendre du monde, il n'y a qu'à vous regarder. Votre goût du paradoxe vous égare, ma chère Eliane. Ce beau regard profond, ce sont des yeux d'ivrogne. Et je suis tendre, c'est vrai, mais j'aime faire mal. Je n'ai jamais entendu quelqu'un de vraiment méchant le dire. Je ne suis pas méchant, j'aime casser. C'est un goût que les petits garçons perdent en grandissant, je l'ai gardé. Quand me ferez-vous souffrir, héros? Je commence à m'impatienter. Mais quand vous voudrez, ma chère. Seulement, ça nous amusera ni l'un ni l'autre. Hein. Nous nous ressemblons trop. Vous savez la nouvelle? Il paraît qu'on joue sans perruque. Nous allons tous être ridicules. Je ne crois pas que la perruque aurait réussi à vous sauver, Big Boss. Bon, je peux me servir, Eliane? Oh, héros, héros, non, non, nous allons répéter. Mais vous savez bien que mon talent est au fond d'un verre. Hein. Je ne sais plus lequel, malheureusement, c'est ce qui m'oblige à en vider tant. Ma chère, cet homme m'exaspère. Je ne souffrirai pas qu'il tourne autour de vous. Oh, vous êtes ennuyeux, Vilbos. Je n'ai pas pris un amant pour me faire faire des reproches que mon mari ne me fait pas. Tigre est un cynique et ne vous aime pas. Moi, je vous aime. Je ne veux pas déclencher un esclandre sous votre toit, mais si ce triste petit fêtard se permet un geste, je le gifle sous n'importe quel prétexte. Héros est capable de vous rendre votre gifle et de refuser de se battre. Je le ferai carencer, il mourra de honte. Il n'osera plus se montrer nulle part. Ah, j'ai pas l'impression que c'est de honte que Héro mourra. Il y a longtemps qu'elle est bue, avec le reste. Vous le méprisez, au moins. Je ne sais pas. Eliane, j'ai besoin de savoir à l'instant même que vous le méprisez, sinon je fais ma valise. Je ne parais pas dans la pièce. Si vous jouez ce mauvais tour à Tigre, je ne vous reverrai pas de ma vie. Les futilités de Tigre sont le dernier de mes soucis. Il me remplacera comme il pourra. Je vous aime, Eliane. Je suis votre amant. Enfin, ça compte tout de même. Je commence à trouver que ça compte terriblement. Mon cher Vilbos, vous avez réussi cette chose extraordinaire, de rendre le péché plus ennuyeux que la vertu. C'est bien. Je ferai semblant de ne pas savoir mon texte. Je lui compromettrai sa représentation. Voilà. Je commence à en avoir assez. D'être le seul à souffrir ici. Alors, que dit Vilbos? Il dit qu'il souffre. Oh, comme c'est intéressant. Hortensia, mon petit tour de roc, venez donc voir ce gracieux phénomène naturel. Un homme qui souffre d'amour. Faut pas perdre une occasion de s'instruire. Monsieur, je ne vous parle pas. J'ai valeureusement arraché Sylvia aux 12 monstres. Hein. Oui, je saigne, il y en a qui a tenté de me griffer. Ah, c'est une réussite. Nous allons pouvoir répéter, mes enfants, nous sommes au complet. Allez. Bien. Alors, la double inconstance... La double inconstance est une pièce terrible, je vous supplie de ne pas l'oublier. Sylvia,
et Harlequin s'aiment. Sincèrement. Le prince désire Sylvia. Peut-être l'aime-t-il aussi. Pourquoi toujours refuser au prince le droit d'aimer aussi fort, aussi simplement qu'Harlequin? Tous les personnages de sa cour vont se conjurer pour détruire l'amour d'Harlequin et de Sylvia. Enlever Sylvia à Harlequin par la force pour le compte du prince ne serait rien. Ils vont faire en sorte que Sylvia aimera le prince et qu'Harlequin aimera Flaminia. Et qu'ils oublieront leur amour. C'est proprement l'histoire élégante et gracieuse d'un crime. Vilbos. Vilbos. Harlequin est tendre et bon, mais facile et gourmand. Et naïf. Flaminia et sa sœur sont si belles, elles sentent si bon. N'oubliez jamais que même lorsqu'il les repousse et pense tendrement à Sylvia, il les renifle. Et oui, la bonne odeur de la soie sur la peau parfumée. Quel piège pour ce petit pot, hein? Flaminia et Lisette, sa sœur, sont dures, coquettes, joueuses, amusées. Le petit rustre doit sentir bon aussi pour ces deux belles dames blasées. Hein? Elle joue, tire une griffe, la rentre, vient le désir comme une curiosité. En plus, c'est le service du prince. La grande loi de tout ce petit monde. Alors pourquoi se refuser un plaisir d'un jour qui n'engage à rien? Elles sont d'ailleurs d'une autre race, elles le savent. Et Harlequin est comme un petit chien gentil qui s'ébrouille drôlement et qui lèche. Alors on se laisse lécher par le petit chien par-dessus les perles. C'est un jeu nouveau et cela n'empêche rien. Je les soupçonne d'avoir gardé leurs vrais amants en attente. Eliane et Hortensia, j'ai l'impression que je serais un petit garçon de vous indiquer quelque chose. Vous allez nous faire cela très bien. Trivelin. Ah, Trivelin. Trivelin est lourd. Oui, lourd, empressé, servile. Et ravi comme un chien de meute de participer à la curée pour le compte du maître. Il a la livrée et c'est bon de s'amuser à berner ce petit paysan. Hein? Ce petit paysan qu'il n'est plus, enfin, depuis qu'il a pris du service. Alors n'alourdissons pas, mais il y a comme une joie secrète et basse. La vengeance du pauvre sur le pauvre là-dessous. Il en a vu d'autres et de plus humiliantes. Et il faut qu'ils y passent aussi, ces deux petits-là. C'est la loi. Bien. Quant à Sylvia, que dire de Sylvia? Elle n'est pas romanesque, elle est tendre. Elle n'est pas naïve, elle est bonne. Elle n'est pas dure, elle est nette. Les belles dames de la cour, ni le prince ne l'éblouissent. Elle sait tout, depuis toujours, sans avoir jamais rien appris. Elle a la plus juste mesure du cœur. Et dans cet univers frelaté, ricanant sous ses soies, ses cailloux précieux, ses aigrettes, elle est seule, claire, et nue sous sa petite robe de toile, et elle les regarde, droite et silencieuse, s'agiter et comploter autour d'elle. Et tout ce qui faisait la force et le plaisir du prince est entre ses mains soudain inutile. Sylvia est une petite âme inaccessible qui le regarde à mille lieues de lui et qui le trouble. Il y avait donc autre chose au monde que le plaisir, et il ne le savait pas. Mais je n'ai pas besoin de vous expliquer le rôle, mademoiselle. Vous n'avez qu'à être vous. Je sais que j'ai tort de vous parler ainsi, mais je suis au milieu de ma vie et je n'ai pas encore eu la force de me refuser un plaisir. Oh, pardon.
Oh, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. Un peu de patience, j'apprendrai le vocabulaire aussi. Je ne sais d'ailleurs pas quelle conjuration de cagots et de vieilles filles a pu réussir en 2 siècles à discréditer le mot « plaisir ». C'est un des mots les plus doux et les plus nobles de la langue. Je ne suis pas croyant, mais si je l'étais, je crois que je communierais avec plaisir. Le mal et le bien aux origines, cela devait être ce qui faisait plaisir ou non, tout bonnement. Toute la morale de ces cafards repose précisément sur ce petit mot fragile et léger qu'ils abordent. Pourquoi l'amour ? Ne serait-il pas d'abord ce qui fait plaisir au cœur ? Hein ? On a bien le temps de souffrir par la suite. En tout cas, c'est passionnant d'être amoureux d'une jeune fille muette. Ah oui, ça vous entraîne au soliloque, à la méditation. On ne se parle jamais assez. On est pourtant son interlocuteur le plus attentif, le plus prompt à la répartie. Voilà des années que je ne m'étais pas adressé la parole, je me méconnaissais. Oh, je suis d'un commerce très agréable. Je m'aperçois que je dis les choses les plus justes et les plus inattendues. Oh, comme on juge sur les apparences toujours trop vite, hein? Eh oui, je me découvre très tendre et très profond. Bon. Vous savez que nous sommes censés répéter notre scène et qu'ils écoutent au port, très certainement. Oh, la muette parle! Oh, comme c'est intéressant, ça! Une muette qui se met à parler. Et merveille, ce n'est pas pour me dire de me taire, c'est seulement pour me dire de parler moins fort. Mais si j'avais vraiment voulu vous faire taire, depuis 8 jours que je suis ici, je l'aurais fait. Les filles ont de la ressource. J'aurais pu aussi vous laisser parler, ne pas vous entendre. J'ai simplement peur qu'ils nous écoutent, c'est vrai. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas me voir autre part que dans ce salon au moment des répétitions, hein? Quel jeu jouez-vous si c'est vrai que je ne vous ennuie pas? Aucun jeu, je vous l'assure. Parce que quand j'aimerais un homme, à la minute où je le serai, je ferai tout pour lui faire plaisir, comme vous dites. Et je serai tout de suite à lui, sans jeu. Ah, je me demande quelle sorte de vertu ou de garantie sera tenue de vous apporter cet important personnage. Aucune. Je serai à lui s'il est pauvre, s'il fuit qu'il ne sait même pas où coucher le soir, s'il a une femme et des enfants, qu'il n'a qu'une petite heure par semaine à me donner dans un café. Vous vous environnez de mystères et vous êtes toutes les mêmes. Surtout s'il est pauvre, bien sûr. Surtout s'il fuit. Quand on ne vous prend pas de force, il vous faut toujours un peu de pitié pour vous donner. Mais même s'il est riche et heureux, c'est exactement la même chose. Eh bien, je suis riche et heureux. Et je voudrais que vous m'aimiez. Les petits-enfants aussi demandent la lune. Et c'est mon métier, justement, de leur expliquer qu'on ne peut pas l'avoir si facilement. Vous croyez que je ne voudrais pas vous aimer, moi? Enfin, vous ou un autre, cela doit être si bon de tout donner. N'est-ce pas? Et cela se trouve bien, justement, je m'en dis. Devrions pouvoir nous arranger tous les deux. Mon pauvre monsieur, on ne donne qu'aux riches. Expliquez-vous, je n'ai jamais très bien su débrouiller les paraboles. Mais le garçon qui m'aimera comme je veux n'aura pas besoin de me demander. Et comment saurez-vous qu'il vous aime? Parce qu'il vous le dira, pauvre petit oiseau? Non, parce qu'il ne songera pas sans doute à me le dire. Et surtout pas d'une façon amusante comme vous. Non, mais qu'est-ce qu'il fera, ce cafard? Hein? Il vous parlera de la lune, il gémira, se jettera à vos genoux en se donnant des coups de poing à l'endroit présumé du cœur. Hein? Il aura honte et il se taira, j'imagine. Et il évitera peut-être même mon regard. Ce sera une autre qui l'invitera à danser. Mais je saurai que c'est moi qui l'aime. Oh. C'est un peu compliqué comme règle. Mais j'apprendrai. J'apprendrai, je suis très doué pour tous les jeux. J'ai peur que celui-là ne s'apprenne pas. Moi, quand j'aime, je veux être aimable. Je veux être drôle, je veux briller. Les coqs font bouffer leurs plumes, je pense que c'est un geste naturel. Et moi, je voudrais surtout que le garçon que j'aimerais ne sache pas dire ce qu'il fait quand il aime. Et j'espère bien qu'il sera aussi surpris que moi. Mais répétons plutôt, je vous en prie. Nous bavardons et nous ne serons jamais prêts. Ce serait terrible si nous ne savions pas nos rôles, n'est-ce pas? Soit,
Je vous remercie de me remettre aussi gentiment à ma place. Je suis un imbécile. Toi, j'étais un garçon un peu trop gâté par le sort, j'ai d'assez mauvaises habitudes, c'est vrai, alors oublions tout et répétons, vous avez raison. Et quoi, Sylvia? Non, un mot encore. Je suis un pauvre diable, c'est entendu. Et ça doit être merveilleux d'être simple et de tout donner. C'est une grâce que je n'ai pas reçue. Voilà. Alors. Vous êtes une fille ravissante. Sous votre léger voile de brume, pour qui sait voir. Depuis 8 jours que vous êtes ici, je me demande pourquoi. Je ne pense qu'à vous. Je vous l'ai dit, à ma façon, c'est-à-dire en essayant d'être drôle. Vous m'avez fait savoir que la façon ou la chose ne vous plaisait pas, c'est bien. Je suis un homme bien éduqué. Je ne vous poursuivrai pas en laissant de vous prendre la taille dans les couloirs. Je ne me jetterai pas non plus dans les temps. Enfin, entre les deux, il y a une mesure moyenne qui est le regret d'une aventure charmante. Voilà tout. Bien. Ben, répétons, mademoiselle, il pourrait nous entendre, en effet. J'ai été bien assez ridicule déjà ce soir. Il est inutile que la chose s'ébruite, n'est-ce pas? Oui, et quoi, Sylvia? Vous ne me regardez pas. Vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis importun. Vous êtes gentil tout de même. Comment gentil? Vous êtes tout à fait ce petit jeune homme, avec ses gants blancs, sa canne et son premier melon, qui allait arpenter l'avenue du bois tous les matins. Comment? Mais qui vous l'a dit? À l'époque de mon premier melon, vous vagissiez dans vos couches, ma petite fille. Cela ne fait rien, je vous vois très bien. C'est difficile de grandir, n'est-ce pas? Hein? Mais répétons plutôt, je vous en prie. Non, mais c'est déconcertant. Voilà la première fois que vous me regardez gentiment, et c'est pour m'inonder de pitié. Personne ne m'a jamais encore joué ce tour-là. Oui, j'ai eu un chapeau melon. Un peu trop jeune, peut-être, mais c'était la mode à l'époque. Oui, j'ai été avenue du Bois faire les 100 pas tous les jours à midi, mais j'habitais à côté. Et tous mes amis le faisaient. J'étais pas tellement ridicule, autant que je m'en souvienne. Enfin, les jeunes filles de votre âge à cette époque ne le trouvaient pas. Je ne vois vraiment pas ce qui, dans mon attitude, a pu vous autoriser à me traiter de coq-bain. Mais ne vous fâchez pas. C'est plutôt bien d'être resté un vrai petit garçon. Je suis pas un petit garçon, j'ai fait la guerre, moi. J'avais un canon, un vrai canon. Et on m'a donné la croix. Comme aux enfants, c'est vrai, mais je ne la porte pas. Je donne depuis 15 ans les balles les plus réussies de Paris. Des balles de grandes personnes. Je conduis une automobile. J'ai été un temps diplomate et si j'avais persévéré, je représenterais peut-être la France quelque part en ce moment. Enfin, je ne sais pas, moi. Je suis un homme comme les autres. Quoique... plutôt plus brillant que les autres. Me dit-on. J'en ai assez d'écouter votre petite musique comme un gros serpent subjugué. Alors répétons. Et quoi, Sylvia? Mais vous savez ce que je dis? Cela n'a pas trop d'importance. Si on se mettait à écouter les divagations des filles, on irait loin. Traitez-moi pour ce que je suis, je ne m'en offenserai pas. Je ne vous écoute pas, je m'étonne simplement. Alors, répétons. Je suis absurde. Hein? C'est vous qui jouez le jeu, quoi que vous disiez. Beaucoup plus spirituellement que moi. Mais je sais perdre, cela fait aussi partie de mon excellente éducation. Mais n'allez pas vous en vanter, c'est tout ce que je vous demande. M'en vanter? À qui? Ah ben, je ne sais pas, moi, à votre parrain, à une amie. Je ne parle jamais à mon parrain. Vous avez dû voir que les sentiments n'étaient pas très tendres entre nous. Et je n'ai pas d'amis. Bon. À vos 12 orphelins, peut-être? Ah oui, je leur dirai, soyez sûrs. Je dois leur raconter tant d'histoires à braquer d'abrande pour les endormir tous les soirs. Et j'ai justement épuisé mon stock de contes de fées. Mais je transposerai. Ça se passera au Moyen-Âge. D'ailleurs,
Ils ne comprennent jamais rien, ils dorment avant. Bon, répétons. Et quoi, Sylvia ? Vous ne me regardez pas, vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis importun. Bon, importun. Je parlais de lui tout à l'heure. Vous parliez de moi. Et qu'en disiez-vous, belle Sylvia ? Oh, je disais bien des choses. Je disais que vous ne saviez pas encore ce que je pensais. Oh, je sais que vous êtes résolue à me refuser votre cœur. Et c'est là savoir ce que vous pensez. Vous n'êtes pas si savant que vous le croyez. Ne vous vantez pas tant. Mais dites-moi, vous êtes honnête homme et je suis sûre que vous me direz la vérité. Vous savez comme je suis avec Harlequin. À présent, prenez que j'ai envie de vous aimer. Si je contentais mon envie, ferais-je bien ou ferais-je mal? Là, conseillez-moi dans la bonne foi. Oh. Comme on n'est pas le maître de son cœur. Si vous aviez envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire, voilà mon sentiment. Me parlez-vous en ami? Oui, Sylvia, un homme sincère. C'est mon avis aussi. J'ai décidé de même et je crois que nous avons raison, tous les deux. Ainsi, je vous aimerais s'il me plaît sans qu'il ait le plus petit mot à dire. Mais je n'y gagne rien puisqu'il ne vous plaît point. Ne vous mêlez pas de deviner. C'est cela, pardi, c'est tout simple. Vous m'avez menti, vous aimez quelqu'un, quelque petit jeune homme qui s'occupe aussi de puériculture et à qui vous écrivez 4 grandes pages tous les soirs dans votre chambre. Je crois que vous ne dites plus le texte. Bon, je vous pose une question. Allez, répondez tout de suite, ils vont entrer. Non. Je n'aime personne et je n'ai encore jamais aimé. Alors, cette dernière scène? Ah, elle va fort bien. Nous trouvons que nous avons beaucoup de talent tous les deux. Nous qui en avons moins, il faudra peut-être que nous répétions aussi. Voulez-vous que nous reprenions toute la pièce? Monsieur Damien dit qu'il est encore incertain. Bon, monsieur Damien a l'habitude du public. Du temps qu'il était aux assises, il a toujours arraché des larmes à qui il voulait. Il sentira certainement mieux que nous tous. Vois, j'étais bien jeune, madame, à l'époque. J'avais le trémolo moins honteux. Et puis j'avais de grandes manches. Et le texte est tellement creux. Ne vous faites pas plus modeste que vous n'êtes, monsieur Damien, par cabotinage. Pour vous faire entendre encore une fois. De toute façon, nous n'avons pas le temps de revoir toute la pièce avant le dîner. Nous la verrons ce soir. Dans ce cas, prenons le début du deuxième acte. Nous passerons les tirades de Sylvia. N'est-ce pas? Oui, ma chère Hortensia. Hortensia, c'est pour vous qu'on répète. Eh oui. Je vous trouve un peu méchante dans votre scène avec Sylvia. C'est cousu de fil blanc. Soyez charmante, vous le pouvez. Il faut la duper, cette fille-là, ne l'oubliez pas. Mon petit tigre, si vous pensez que je ne peux pas tenir le rôle... Hortensia, il vous va comme un gant. Je ne vous demande qu'une nuance. Ces comédiens, décidément, sont des gens impossibles. Alors, dès qu'ils ont ouvert la bouche, le son de leur propre voix les enchante comme la flûte d'un charmeur de serpents. Et ils croient dur comme fer que nous partageons leur extase. Le naturel, le vrai, celui du théâtre. La chose la moins naturelle du monde, ma chère. Et n'allez pas croire qu'il suffit de retrouver le ton de la vie. D'abord, dans la vie, le texte est toujours si mauvais. Bon, c'est très joli, la vie, mais ça n'a pas de forme. Et l'art a pour objet, précisément, de lui en donner une et de faire, par tous les artifices possibles, plus vrai que le. Voilà. Je vous ennuie? Mais je commence à me prendre au sérieux, moi aussi. Attaquons-le. Allons-y. À vous, Sylvia. Oui, je vous crois. Vous paraissez me vouloir du bien. Aussi, vous voyez que je ne souffre que vous, je regarde tous les autres comme mes ennemis. Mais où est Harlequin? Il va venir, il dîne encore. Erreur, il ne dîne pas, il souffre. Et s'il a l'air de dîner, c'est qu'il remarche sa rancœur. Monsieur, je vous ai déjà dit que je ne vous parlais pas. Ma patience a déborde, sachez-le. Bon, héros, sois sérieux pour une fois, s'il te plaît. Mon cher, je suis pas assez ivre, je serai sérieux un peu plus tard. Allez, chut, 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 chut. C'est quelque chose d'épouvantable que ce pays-ci. Je n'ai jamais vu de femmes si civiles, d'hommes si honnêtes. Ils ont des manières si douces, tant de révérences, tant de compliments, tant de signes d'amitié. Vous diriez que ce sont les meilleurs gens du monde, qu'ils sont pleins de cœur et de conscience. Point du tout.
Je passe. Je passe. Oui, oui, passez, vous dites cela fort bien. Il ne valoir rien. Tromper son prochain. Lui manquer de parole, être fourbe et mentir. Voilà, voilà le devoir des grandes personnes de ce maudit endroit-ci. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? D'où sortent-ils? De quelles pattes sont-ils? De la pâte des autres hommes, ma chère Sylvia. Que cela ne vous étonne pas, ils s'imaginent que ce serait votre bonheur que le mariage du prince. Mais ne suis-je pas obligée d'être fidèle? N'est-ce pas mon devoir d'honnête de fille quand on ne fait pas son devoir? Est-on heureuse? Par-dessus le marché, cette fidélité n'est-elle pas mon charme? Je passe. Oh non, c'est trop joli, continuez. Et on n'a pas le courage de me suivre. Et on n'a pas le courage de me dire, là, fais une mauvaise action qui ne te rapportera que du mal, perds ton plaisir et la bonne foi. Et parce que je ne veux pas, moi, on me trouve dégoûtée. Que voulez-vous? Ces gens-là pensent à leur façon et souhaiteraient que le prince fût content. Oui, bien, Hortensia, bien. Mais ce prince, que ne prend-il une fille qui se rend à lui de bonne volonté? Quelle fantaisie d'en vouloir une qui ne veut pas de lui? Quel goût trouve-t-il à cela? Signalez-lui que vous n'êtes pas en scène, dire, c'est Hortensia qu'elle doit regarder. Car c'est un abus que puisqu'il fait tous ses concerts, tous ses bijoux qu'il m'envoie, tout cela lui coûte un argent. Tout cela lui coûte un argent infini, c'est un abus, je vous dis. Il se ruine. Et demandez-moi ce qu'il y gagne. Quand il me donnerait toute la boutique d'un mercier, cela ne me ferait pas tant de plaisir qu'un petit peloton, car Lucas m'a donné. Oui, allez. Je n'en doute pas, voilà ce que c'est que l'amour. J'ai aimé de même et je me reconnais au peloton. Mais est-elle sincère en disant cela? Je sens que je parle faux. A-t-elle aimé vraiment? A-t-elle un jour préféré un petit peloton de laine à tous les bijoux du prince? Et vous, ma chère Hortensia? Tire, il ne s'agit pas de moi. C'est un jeu que vous jouez, il n'est pas drôle. Vous venez de nous dire que nous n'étions pas nous. Ah pardon, quand j'ai distribué la pièce, j'ai très bien su ce que je faisais. Vous l'avez parfaitement dit de votre réplique. Je l'ai donnée sincère. Oui, mais comme vous n'avez jamais préféré le moindre petit peloton de laine à votre plaisir, en la donnant sincère, vous avez eu l'air abominablement faux. C'était parfait, c'est ce que je voulais continuer. Vous jouez de nous comme de totons, vous lasserez bientôt notre patience. Tous les metteurs en scène géniaux font ainsi. Encore heureux que je ne hurle pas, que je ne déchire pas les brochures. Il n'y a pas de mise en scène de génie sans crise de nerfs. L'insulte est monnaie courante. Quelques très grands metteurs en scène vont même jusqu'à la gifle. Oui, oui, oui. Et ne croyez pas que cela soit gratuit, cela se sent toujours après quand on écoute la pièce si le maître a été vraiment viré. Voilà. Une pièce mise en scène par un homme poli, il est rare, ma chère, que cela sente le génie. Allez, on enchaîne. Sylvia... Eh bien, qu'il tâche de m'oublier. Allons-y. Allons-y. Eh bien, qu'il tâche de m'oublier. Mm-hmm. Qu'il me renvoie, qu'il voit d'autres filles. Il y en a ici qui ont leur amant, tout comme moi. Mais cela ne les empêche pas d'aimer tout le monde. J'ai bien vu que ça ne leur coûtait rien. Mais pour moi, c'est impossible. Oh, ma chère enfant, avons-nous ici rien qui vous vaille, rien qui approche de vous? Oh, fort bien le fiel sous le sourire. Oh. Vous avez dû travailler toute la nuit, ma petite Hortensia. Oh, que s'il y en a de plus jolies que moi. Et quand elles seraient à moitié moins jolies, ça leur ferait plus de profit qu'à moi d'être tout à fait belle. J'en vois ici de laides qui font si bien aller leur visage qu'on y est trompé. C'est Flaminia que vous regardez, ma petite fille. Moi, je ne suis pas encore en scène, j'entre plus tard. Oui, mais le vôtre va tout seul et cela est charmant. Bon, moi, je ne parais rien, je suis tout d'une pièce auprès d'elle. Je demeure là, je ne vais ni ne viens. Au lieu qu'elles, je les vois toujours d'humeur joyeuse. Elles ont des yeux qui caressent tout le monde, une mine hardie, une beauté plus libre qui ne se gêne point et qui est sans façon. Cela plaît davantage que non pas une honteuse comme moi qui n'ose regarder les gens et qui est confuse qu'on la trouve belle. Je trouve qu'elle devrait dire cela avec plus de modestie. Vous ne pensez pas, Tigre? Elle a l'air de vouloir attaquer à son tour. Ah mais elle attaque, tout le monde commence à avoir envie qu'elle attaque. Non mais et puis enfin, mademoiselle est charmante. Nous le trouvons tous. Et je pense pour ma part que vous avez fort bien fait de lui donner le rôle. Mais enfin, non, je peux le dire devant elle parce qu'elle a de l'esprit. Elle n'a pas un éclat qui justifie cette assurance de sa beauté qu'il y a dans le texte. Elle devrait dire ça plus simplement. Je ne suis pas de votre avis, je trouve qu'elle le dit fort bien. Continuez, Hortensia. Et
touche le prince, voilà ce qu'il estime. C'est cette ingénuité, cette beauté simple. Ce sont ses grâces naturelles. Et croyez-moi, ne louez pas tant les femmes d'ici car elles ne vous louent guère. Et qu'est-ce donc qu'elles disent? Des impertinences. Elles se moquent de vous, raillent le prince. Lui demandent comment se porte sa beauté rustique. Y a-t-il de visages plus communs, disait l'autre jour, ces jalouses entre elles, de taille plus gauche. Là-dessus, l'une vous prenait par les yeux, l'autre par la bouche. Il n'y avait pas jusqu'aux hommes qui ne vous trouvaient pas trop jolie. J'étais dans une colère. Pardi. Voilà de vilains hommes de trahir leur pensée pour plaire à ces sottes-là. Qu'elle est drôle. Vous ne trouvez pas qu'elle est drôle quand elle dit cela? J'adore ce petit personnage, allez. Sans difficulté. Ne coupez pas tout le temps, tigre, c'est agaçant. Sans difficulté. Mais que je hais ces femmes-là. Mais puisque je suis si peu agréable à leur compte, pourquoi donc est-ce que le prince m'aime et qu'il les laisse là? Oh, elles sont persuadées qu'il ne vous aimera pas longtemps, que c'est un caprice qui lui passera et qu'il s'en ira tout le premier. Dieu, comme vous l'avez bien dit, celle-là, Hortensia, vous y êtes, ma chère, vous y êtes. Bien. Laissons le reste et prenons mon entrée avec Eliane, c'est extrêmement important. Allez, venez, Eliane, nous entrons. Hein? Comment? Vous voilà, monsieur, vous... Allons-y. Comment vous voilà, monsieur, vous saviez donc bien que j'étais ici? Oui, mademoiselle, je le savais, mais vous m'aviez dit de ne plus vous voir et je n'aurais jamais osé paraître sans madame. Madame, qui a souhaité que je l'accompagnasse et qui a obtenu du prince l'honneur de vous faire la révérence. Je ne suis pas fâchée de vous revoir et vous me trouvez bien triste. À l'égard de cette dame, je la remercie de la volonté qu'elle a de me faire une révérence. Je ne la mérite pas, mais qu'elle me la fasse, puisque c'est son désir. Je lui rendrai une comme je pourrai, elle m'excusera si je la fais mal. Oh oui, mamie, je vous excuserai de bon cœur. Je ne vous demande pas l'impossible. Je ne vous demande pas l'impossible, quelle façon de parler. Quel âge avez-vous, ma fille? Je l'ai oublié, ma mère. Bon. Elle se fâche, je pense. Madame, que signifie ce discours-là? Sous le prétexte de venir saluer Sylvia, vous lui faites une insulte? Oh, ce n'est pas mon dessein. Mais j'avais la curiosité de voir cette petite fille qu'on aime tant, qui fait naître une si grande passion et je cherche ce qu'elle a de si aimable. On dit qu'elle est naïve. C'est un agrément campagnard qui doit rendre amusante. Priez-la de nous donner quelques traits de naïveté. Voyons son esprit. Et non, madame, ce n'est pas la peine. Il n'est pas si plaisant que le vôtre. On vous demande du naïf, en voilà. Allez-vous-en, madame. Cela m'impatiente, enfin. Si elle ne s'en va pas, je vais me fâcher tout de bon. Vous vous repentirez de votre procédé. Adieu. Un pareil objet me venge assez de celui qui en fait le choix. Parfait, scène 3. Assez. Je suis fatiguée, Tigre. J'aimerais avoir une conversation avec vous. Voulez-vous monter jusqu'à ma chambre, s'il vous plaît? C'est cela, retournons un peu. Tigre trouve tout cela très drôle, j'en suis sûre. Nous, moins. Nous avons besoin de souffler, mon cher. C'est bon, repos. La répétition reprendra dans un quart d'heure. Ah, mon cher héros. Les femmes n'entendent rien au théâtre. Sorties de leur propre représentation, ça ne les amuse plus. Elles devraient boire. Oui. Ça rend tous les jeux gracieux. Vous aussi, Vilbos, vous devriez boire. Un jour, je vous proposerai un jeu qui sera moins gracieux, monsieur. Oui. Eh bien, Tigre, vous venez. Eliane, où vous retrouverai-je? Je ne sais pas. M'ennuyez, Vilbos. Mademoiselle, vous tenez votre rôle à ravir. Je buvais vos paroles. Et c'est un ivrogne qui vous parle. D'ailleurs, pendant tout ce temps-là, j'en ai oublié de boire autre chose. Je l'écrirai demain à mon médecin. Il vous enverra sans doute un petit mot de remerciement. Oh, je vais quitter le Louis XV, moi. Mon gilet est trop étroit. Et moi qui n'en ai jamais bu, il paraît que j'ai des litres d'eau dans le vent. La vie est pleine de ces contradictions curieuses. Hein? Vous ne le saviez pas encore, mon petit cœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sens mauvais, peut-être? Je sens l'alcool. Hein? Que voulez-vous donc que je sente?
Mais c'est pas une mauvaise odeur, l'alcool. On conserve précisément dans l'alcool le foie des grands alcooliques. Pour faire peur, après, aux bons petits jeunes gens. Est-ce que je vous fais peur? Non. C'est parce que vous voyez pas mon foie. Il paraît que c'est une floraison effroyable, une forêt vierge de fleurs de toutes les couleurs. Vous n'aimez pas les fleurs, je vois, c'est bien. Je vous dégoûte sans doute? Oui, oh, c'est bien aussi. Faut que je dégoûte un peu, c'est dans mon rôle. Pas dans celui de la pièce de Marivaux. Hein. Dans l'autre. Celle que je joue vraiment. Elle est charmante, votre filleule, monsieur Damien, charmante. Et si au lieu de m'appeler Hérode, enfin mon nom est trop long, je vous en fais grâce, je m'appelais tout bonnement monsieur Damien, je vous jure que je la remmènerai. Serment d'ivrogne. Il faut que je vous parle, Lucille. Je vous écoute. Vous êtes jeune. Vous ne savez pas grand-chose du monde ni de la vie. À la mort de votre pauvre mère, vous avez voulu travailler pour être indépendante, et cela partait d'un bon sentiment. Quoique vous le saviez, vous n'y étiez pas obligée. Pas obligée? Maman vivait sa pension de veuve, et à sa mort, je suis restée avec une salle à manger Renaissance, trois fauteuils Régence qu'on avait toujours cru vrais et qui étaient faux, mon phonographe et un vieux chat. Que pouvait-il me rester d'autre à faire? J'étais là. Vous êtes mon parrain, c'est vrai. Et vous avez été très bon de vous occuper de moi, mais je ne voulais rien vous devoir. Mais pourquoi, Lucille? Vous le savez. Oui. Cette offre que je vous ai faite vous a paru monstrueuse sur le coup. Dieu sait ce que rêve une petite fille de 18 ans. C'est pourquoi je vous ai laissé faire. J'ai voulu que la vie et le travail vous apprennent un peu la triste sagesse. Qu'ils vous montrent ce qu'ils ont en réalité à offrir. Je sais que ces 2 ans ont été très durs pour vous. Mais si je plate? Jamais, non. Car vous avez aussi beaucoup d'orgueil. Mais croyez-vous que c'est avec plaisir que je vous ai vu vous débattre dans vos fins de mois? Vous êtes jolie. Et je sais qu'à votre âge, on a envie d'être coquette. J'aurais voulu vous donner un peu de douceur. J'aurais aimé en recevoir, bien sûr. Si vous croyez que je suis une héroïne. Mais pas de vous. Mais vous n'aviez personne. J'avais bien ce droit, il me semble. Et même ce devoir. Vous savez que cette conversation m'est pénible. Ne la reprenons pas, je vous en prie. J'ai reçu de vous des poupées et des boîtes de couture quand j'étais une petite fille. Et puis vous m'avez trouvé cette place, vous avez rempli votre devoir envers moi. Je me débrouillerai très bien toute seule maintenant. Mais pourquoi ne me permettez-vous pas de vous donner la sécurité dont vous avez besoin? Mais ce n'est pas de sécurité qu'on a besoin à mon âge. Mais je ne parle pas de sécurité matérielle. Une affection sincère, des attentions, une protection aussi. Et contre qui pensiez-vous donc me protéger si j'acceptais ce que vous m'aviez proposé? Contre d'autres hommes qui pourraient me proposer la même chose que vous? Contre d'autres hommes plus légers, qui n'ont pas l'amour et le respect que j'ai pour vous. Contre d'autres hommes qui ne pourraient penser qu'à prendre leur plaisir d'un soir avec vous. N'avez-vous pas appris que je savais me défendre? Ou contre moi peut-être? Qui ait eu l'honnêteté de vous dire ce que je vous offrais, et contre un autre plus jeune et plus brillant qui vous mentirait. Si plus jeune et plus brillant, de toute façon, ce sera moins triste. L'ignominie vaut tout de même mieux que ce ne soit pas un projet d'avenir. Et du moins, ce plaisir d'un soir sera peut-être partagé. Je ne peux pas vous entendre parler avec ce cynisme. Je regrette maintenant de vous avoir introduite dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'on m'y déguise et qu'on m'y fait aussi jouer la comédie pour le même prix. Mais dans ma condition, je sais qu'il faut accepter certaines choses. La directrice de la maison d'enfants où j'ai commencé à travailler m'a tout de suite fait comprendre cette loi, rassurez-vous. Et d'une façon plus sordide. J'ai eu mon petit lot d'humiliation en échange de mon assiette de soupe. Et si c'est cela que vous souhaitez que la vie m'apprenne? C'est fait.
Mais ma petite fille, cet homme vous désire. Et il n'aura de cesse qu'il ne soit arrivé à ses fins. Et tout le monde ici a vu son manège. Vous les avez observés tout à l'heure, pendant cette répétition. La comtesse est une femme de tête. Elle y passe ses maîtresses comme il y passe de son côté ses amants, pourvu que le jeu se joue dans leur monde. Avec des cartes qu'elle connaît. Elle n'acceptera jamais que vous courtisez. Elle va vous abreuver d'humiliation. Vous chasser. C'est cela qui vous fait si peur. Que je perde ma place. Mais je retournerai dans une autre maison d'enfants, voilà tout. Les enfants sont tous pareils. Ils braillent autant et font les mêmes petites saletés aux mêmes moments inattendus. Et exigent les mêmes baisers le soir de cette petite fille à peine plus grande qu'eux, qu'on paie pour faire semblant d'être leur mère. Il y a une chose que vous ne savez pas. C'est comme on est riche quand on n'a rien à perdre. Vous ne pouvez pas être la maîtresse de cet homme. Je ne le serai pas, rassurez-vous. Mais pour d'autres raisons qui ne regardent que moi. Il se moque de vous! Ta coureur! Tiens! Excusez-moi, monsieur Damien, mais je dois accaparer encore votre filleule. J'ai une scène à mettre au point avec elle avant la répétition de ce soir. Vous permettez? Mais je vous la confie, monsieur le comte. Je la mettais justement en garde contre les tentations d'un milieu et d'une vie qui ne sont pas les siennes. C'est charmant cette idée de l'avoir mise de la comédie. Et je vous remercie, ainsi que madame la comtesse, d'avoir la bonté de la traiter comme votre égale. Mais je ne voudrais pas qu'elle oublie qu'elle est là pour gagner sa vie, en somme. Et garder des enfants! J'espérais faire mon possible au contraire pour qu'elle l'oublie. Ce n'est pas si drôle qu'il faille y penser tout le temps. Et si je dois veiller à quelque chose, c'est à ce que personne ne s'avise de le lui rappeler. Mademoiselle Lucille est mon invitée. Et si en plus de la grâce qu'elle nous fait de jouer avec nous et avec beaucoup plus de talent que nous, cette comédie de Marivaux, elle a le courage et la gentillesse de s'occuper des 12 monstres de ma tante, au lieu de dormir jusqu'à midi comme font les autres, ou de se pomponner devant la glace, c'est une raison de plus que nous avons de la respecter. Je compte la prendre à tout le monde. Si vous voulez bien vous charger vous-même de ce soin, alors je vous laisse, monsieur le comte, complètement rassuré. Non, ne dites rien. D'abord, je vous demande pardon. Pardon. Je suis entouré depuis toujours de mufles de bonne compagnie et j'ai fini par m'y habituer jusqu'à en devenir peut-être un moi aussi. Avant la représentation, il n'y a rien à faire. Une fête est une fête et celle-ci doit être donnée. Elles vont vous rendre la vie intenable. Mais je sais que vous êtes courageuse. Je sors d'une conversation avec ma femme. Et moi qui pensais tout savoir, je viens d'apprendre jusqu'où une femme d'esprit et de goût pouvait se laisser aller dans la sottise et la bassesse lorsqu'elle sent quelque chose de dangereux et d'insolite dans l'air. Parce qu'ils ont bien compris tous que je vous aimais et que ce n'était pas un caprice. Alors voilà ce que je vous propose. Ne dites rien avant que j'ai fini. Vous pensez bien que je n'accepterai jamais de continuer à mener mon heureuse petite vie de plaisir pendant que vous serez en train de moucher ou de nettoyer des moutards qui ne sont même pas les vôtres, quelque part dans ce vaste monde. Vous valez mieux que cela. Et mieux aussi que tout ce que j'ai à vous offrir personnellement. Oh, j'ai peu d'argent que cela vous mette à l'aise. Il y a belle lurette que j'ai croqué mes héritages. Mais en vendant les bribes qui me restent, je puis réaliser de quoi vous faire partir à l'étranger. Vous y reprendrez vos études interrompues sans être obligé à ce travail imbécile. Vous serez libre. Et dans quelques années ou dans quelques mois, je souhaite de tout mon cœur que vous trouviez le garçon de votre âge que vous méritez et qui bâtira avec vous une vraie vie. Je ne vous reverrai jamais. Oui, je pense que l'argent vous gêne, mais c'est nécessaire. L'argent n'est rien pour les êtres libres des jetons. Il ne faut pas être trop petite bourgeoise avec lui. Et je vous demande, bien humblement, de partager ce qui me reste avec moi.
Vous partirez le lendemain de la fête. C'est une proposition d'égoïste. Un égoïste qui ne vous a même pas tenu une fois dans ses bras, qui a beaucoup de peine. Acceptez-vous ? Non. Je préfère rester maintenant. Oh, mon petit. On est si bien. Vous croyez que c'est cela qu'ils appellent la tendresse? Je croyais que cela ne venait que beaucoup plus tard. Je croyais aussi. Nous avons dû faire vite. Nous avons bien fait, c'est meilleur. Mais j'ai peur. De quoi? De ne pas vous amuser longtemps, je ne suis pas belle. Mais si. Pas comme Hortensia. Oh non, tant mieux. Et je ne suis pas intelligente. Êtes-vous assez sotte pour vouloir me faire dire si? En tout cas, je suis incapable de dire quelque chose de drôle au bon moment. Je l'espère bien. Je suis pauvre. Et ce n'est pas l'état qui est grave, c'est l'habitude. Je m'habille mal. Si j'avais de l'argent pour m'habiller, je m'habillerais plus mal encore. On ne peut pas ne pas voir sur mes mains que ce sont des mains qui ont servi. Mais que me restera-t-il pour que vous m'aimiez une fois l'attrait de la nouveauté passée? Oh, de n'être pas belle comme les autres. D'être gauche, d'être pauvre. Et au lieu de griffes sanglantes alourdies de cailloux, d'avoir deux petites mains nues, aux ongles courts et qui ont servi. Deux mains de vraies femmes. Si c'était le goût des bergères qui vous attire vers moi, j'aurais si honte que j'en mourrais. Oh, ça c'est bien bête de ne pas comprendre, vous qui comprenez toujours tout. Pensez-vous que ce soit par hasard que tout au long des légendes, les princes prisonniers cherchaient avidement une fille pauvre qui les délivre, hein? Et pensez-vous que cela leur fut facile? Le monde est plein de midinettes prêtes à adorer les princes, quels qu'ils soient. Tout le monde croira que c'est pour cela que je vous aime. Comptez qu'ils miseront aussi là-dessus pour nous séparer. Mais le croirez-vous, vous? Non. Moi non plus. Alors, si nous ne le croyons ni l'un ni l'autre, qui est-ce, le monde? Vous me présenterez? C'est eux. Oh, des comparses. De tout petits rôles dans cette pièce que nous allons jouer tous les deux. Oui, Sylvia, oui. Oui, Sylvia, je vous ai caché jusqu'ici mon rang pour essayer de ne devoir votre tendresse qu'à la mienne. Je ne voulais rien perdre du plaisir qu'elle pouvait me faire. À présent que vous me connaissez, vous êtes libre d'accepter ma main et mon cœur ou de refuser l'un et l'autre, etc. Voilà, je vois que vous êtes exact, merci. J'espère que vous vous êtes reposé. Bon, si vous le voulez bien, avant de répéter encore une fois la pièce, nous allons nous occuper d'une chose capitale que les comédiens n'oublient jamais de régler la veille des générales. Ils y passent le temps qu'il faut, le texte lui-même ne fut-il pas au point. Je veux parler de l'ordre des saluts pour les acclamations finales. Voilà, je vous propose l'ordre suivant qui me paraît logique, que je donne la main à Lucie, n'est-ce pas? Eliane à ma droite. Puis Héros, Hortensia, Damien, de l'autre côté, voilà. Vilbos! On m'avait dit qu'on répéterait sur la terrasse. Répétons-nous ou ne répétons-nous pas? Oui, un instant, Vilbos, pour le moment, nous faisons une chose encore plus importante au théâtre, mon cher. Nous saluons. Répétons-nous ou ne répétons-nous pas? Vous nous ennuyez, Vilbos! Tigre a exigé que nous soyons habillés pour 4 heures, nous l'attendons.
qu'est-ce qui se passe depuis hier? Alors, on répète sans donner le ton. Bien sûr, certaines répliques, on en donne trop tout à coup, comme si elles étaient chargées de sous-entendus qui m'échappent. Tout le monde ricane soudain, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde s'insulte, alors cette petite pleure, Tigre devient tout rouge et quitte la répétition. Aujourd'hui, nous sommes en retard. D'une heure, nous passons dans trois jours, et j'ai un rôle écrasant. Je ne tiens pas à être ridicule. Laissez-nous, mon boss, j'ai à parler à Hortensia. Liane, vous non plus, je ne vous comprends plus. Votre attitude avec moi est absolument déroutante. Enfin, que vous ai-je fait? Rien, absolument rien, et c'est là le drame. Laissez-nous. Mais je souffre, Liane. Eh bien, allez souffrir un moment dans le jardin. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu vous déplaire depuis hier. Mais mon pauvre ami, il n'est pas question de vous. Je vous demande de nous laisser un instant, c'est tout. Je vous laisse. Je vous laisse. Mais je suis à bout. J'attends que vous me rappeliez sur la terrasse. Vous me devez une explication. Vous l'aurez. Nous l'aurons tous. Ma petite Hortensia, je ne vous comprends pas. Enfin, il courtise cette fille. Il est épris d'elle, ça crève les yeux. Il ne pense même plus à sa fête. Et c'est bien la première fois de ma vie que je vois Tigre négliger un plaisir. Et vous restez là, sans rien faire. Je le trouve odieux. Il ne s'agit pas de le trouver odieux sans lever le petit doigt. Il s'agit de vous défendre. Enfin. Si j'étais la maîtresse de Tigre, je ne me laisserais pas moquer de cette façon. Hortensia, vous me décevez. Vous savez comme moi qu'une scène entre nous n'arrangera rien. Bah, vous ne voulez tout de même pas que ce soit moi qui la lui fasse. Je ne lui en ai pas fait pour vous. Je n'ai aucune raison de lui en faire pour cette fille. Mais laissons-le faire. Il réussira à monter dans sa chambre ce soir et demain il n'y pensera plus. Vous êtes aveugle. Tigre n'est plus le même. Quelque chose a été touché en lui que rien jusqu'ici n'avait atteint. Je le regardais hier pendant le dîner. Il ressemblait à une petite photographie de lui qu'un camarade avait prise pendant la guerre. Ce petit garçon grave et parfaitement heureux à côté de son canon. Je ne pensais pas qu'autre chose que la mort pouvait faire remonter ce visage-là du fond de lui. Vous l'observez mieux que moi, ma chère. Je trouvais qu'il avait l'air absent pendant le dîner, voilà tout. Et vous lui tolérez des absences. Je n'ai jamais été la maîtresse de Tigre, mais je l'eusse été, que je vous jure bien, je ne l'eusse jamais laissé s'absenter. Vous avez déjà vu Tigre parler 10 minutes sans absence? Il commence une phrase, sa voix continue exactement pareil, ce qu'il dit est parfois très amusant, mais lui n'est plus là. Il n'y a qu'à répondre. Il répond à son tour comme un somnambule plein d'à-propos, et puis tout à coup, au moment où s'y attend le moins, il revient. Je vous dis qu'il l'aime, Hortensia. Tigre ne peut pas aimer. Je vous dis qu'il est en train de l'apprendre. Faites ce que bon vous semble, mais moi, je ne tolérerai jamais. Oh. Enfin, les choses n'allaient plus physiquement entre vous. Vous me gênez, Liane. Oh, ma petite Hortensia, c'est pas l'heure de faire les mijaurées toutes les deux. Nous avons à nous défendre. Il était toujours très amoureux. Tigre est un amant merveilleux. C'est ce qu'elles m'ont toutes dit. Mais enfin, il y a des degrés dans la réussite. Mettons carte sur table, Hortensia, je dois savoir si je peux compter sur vous. C'était une réussite entre vous sur ce plan-là? Chère Eliane, voulez-vous des détails? Oh, merci. Cette activité de Tigre m'intéresse au même titre que sa passion pour le polo. Mais enfin, quand il rentre de Bagatelle, je peux lui demander franchement si son cheval ne l'a pas déçu. Pour l'amour, je m'en tenais jusqu'ici aux conjectures. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir. Je crois que son cheval ne le déçoit pas. Bien. C'est important. Il n'a pas encore touché cette petite. Elle est vierge, ça sent d'une lieue. Vraisemblablement maladroite et sans disposition spéciale. Le trouble du cœur qu'il ressent, ça ne fait aucun doute, ne risque cependant pas de s'étayer sur quelque chose de très positif. S'il fait une incursion dans l'aile gauche, mais vous avez raison, il se peut qu'il nous en vienne subitement défrisé. Il aime maladivement tout ce qui est raté. Eliane, c'est moi qui vous trouve sommaire à mon tour. L'amour, même borné à cela, est un jeu infiniment plus subtil que le polo. Le cœur peut très bien se mêler au plaisir des épidermes d'une façon inattendue. Je ne parle que par oui-dire. J'imagine qu'un sentiment tendre pour un petit être neuf qui se donne maladroitement peut inspirer de nouvelles joies à Tigre. Au-delà du désir, peut-être, ou subtilement mêlé au désir.
Je n'aime pas qu'une femme puisse comprendre trop bien ce que son amant peut ressentir avec une autre. Je vous croyais plus saine, Hortensia. Sur mon terrain à moi, où je sais que je suis restée la femme de Tigre, le terrain de l'intelligence et de notre goût commun de la vie, je sens qu'il risque de m'échapper. Bon, c'est assez, je vais agir, avec ou sans vous. Avec moi, bien sûr, pour qui me prenez-vous? Vous pensez bien que je n'ai d'autres soucis pour l'instant que de reconquérir Tigre, quitte à le quitter le lendemain. Faites les deux, ma chère, vous m'obligez. Dans ces intervalles entre deux maîtresses, Tigre est un mari délicieux. Il éprouve généralement le besoin de m'emmener en voyage, de me faire une discrète cour, toute platonique d'ailleurs, mais je n'ai jamais été une affamée. J'en profiterai pour quitter Villebosse, qui commence à m'ennuyer, ce sera divin. Ravi de participer dans la mesure de mes modestes moyens à votre voyage de noces, Elia. Irez-vous en Italie? Oh, c'est bien sûr fait. Et la première fois, quand je croyais encore à la lune, c'est là que Tigre m'a emmenée. Ça me rappellerait des déceptions. Tigre meurt d'envie d'aller en Chine. Lui qui baille partout, il dit que c'est le seul pays pour lequel il y a un peu de curiosité. La Chine est un pays charmant. Travaillons donc à votre voyage en Chine. Comment nous y prendrons-nous, Yann? Oh, chère petite Hortensia, que je vous embrasse encore. Mais dites-moi, puisque vous tenez au fond si peu à lui, vous n'allez pas me jouer le bon tour de le laisser se coiffer de cette petite? J'ai l'impression que je me suis un peu découverte en vous parlant. Chère Elia, je serais bien sûr ravie de vous faire cette méchanceté. Je ne vous pardonnerai jamais d'être restée l'amie de Tigre pendant qu'il était mon amant. Mais mon amour propre est le plus fort, rassurez-vous. Je ne peux pas permettre qu'il me quitte pour cette petite guenon. Je veux le quitter moi-même. Je vous réserve pour une autre occasion. Comme elle est gentille. Et qu'elle sent bon. C'est toujours plaisir d'une nuit. Autrefois, je trouvais que ça sentait le loukoum, je m'y fais. Ah, c'est dommage. Quand je m'y serai tout à fait faite, Tigre ne l'empestera plus. Venez dans ma chambre, ma chère, j'ai une idée toute simple que je vais vous dire. Cette petite bécasse doit être bourrée de complexes et de dignité blessée. Je dis qu'on m'a volé un bijou. J'exige qu'on fouille les chambres de tout le personnel, la sienne comprise. Après, on retrouve le bijou n'importe où, dans le gravier d'une allée ou sous le coussin d'un fauteuil, c'est un détail. Ça peut suffire à la faire fuir. C'est fou, ma chère, ce que les pauvres peuvent être susceptibles. Dans mon gilet la durée de trois actes, moi, pas davantage. Heureusement que les pièces classiques sont courtes. Tu nous aurais fait donner un drame de Victor Hugo, j'explosais avant la fin en répandant mon foie sur les convives. Belle sortie pour un ivrogne. Héros, ça ne m'amuse plus. Et pourquoi? Tu n'aimes plus Marivaux? Dire, tu vas pas nous faire changer de pièce. J'étais ravi de mon rôle, moi. Un seigneur. Que jouez-vous, cher héros? Je joue un seigneur. C'est discret et mystérieux, puis il n'y a pas trop de lignes à retenir. Ça ne m'amuse plus de m'amuser. Ben tiens, Milton. Il y a 20 ans que j'ai compris. Allez, bois. Non, ça ne m'amuserait pas d'être ivre. Parce que tu crois qu'on s'enivre pour s'amuser. Être ivrogne, c'est pas une sinécure, figure-toi. Si tu savais la tension, la persévérance qu'il faut. Toujours là, remplir des verres, aller vider. On vous prend pour un riche oisif, en fait, c'est un travail de plongeur. Ben, j'ai une idée. Travail. Oh, c'est une mauvaise habitude qu'il faut avoir prise très jeune. Je crois d'ailleurs que ça ne m'amuserait pas non plus. Ben alors fais comme moi, fais l'amour, change de femme. C'est pas que ça soit drôle, mais ça entretient l'espoir. Oh, je l'ai fait, moins que toi, mais je l'ai fait, je vais te dire. Tout bien pesé, je ne crois pas que ce soit une activité pour un homme. Oh là, tu deviens triste. Non. Quel âge as-tu?
Oh, un an de plus que toi. Tu le sais depuis la sixième où je suis entré avec un an de retard. T'as une scarlatine que nous devons notre amitié. Il n'a tout de même pas le désir inavoué de te consacrer à quelque chose d'utile. Oh, certes non. Je sais ce que cela veut dire aussi. Et celui de te mettre à gagner de l'argent et ta fortune des lianes, ça serait immoral et de mauvais goût. Oh, je vais l'argent. Oui, bon, pas de grands mots. Méprise-le, c'est suffisant. Imagine, héros. Imagine qu'un jour, tout se mette en place autour de toi et que tout devienne simple et paisible. Et en même temps, inaccessible. Vite, attends que je transpose, là, j'imagine mal. L'alcool, mais soudain recommandé par les médecins comme un élixir de longue vie, et tous les bars que je connais sont fermés. Non, il y a un bar d'ouvert. Un seul. Un pauvre petit café de province où tu n'aurais jamais eu l'idée d'entrer. Il n'y a pas de café où j'ai jamais eu l'idée d'entrer. Arrête, arrête, arrête. Bon, tu y entres, hein? Par accident ou par surprise. Et le seuil passé, tu découvres que vivre, c'était au fond beaucoup plus simple, beaucoup plus grave et bien meilleur que tu ne pensais. Ces comparaisons prises dans la limonade sont obscures et d'un goût de... D'ailleurs, j'ai peur que ça me donne soif. Alors, trêve de parabole, tu es amoureux? Oui. Oui, ben, c'est pas grave, tu me l'as déjà dit au moins 10 fois. C'est vrai, alors je ne suis pas amoureux? Non, non, tu aimes. Tu me l'as déjà dit au moins 3 fois, dont 2 avec des larmes. Alors, c'est que cette fois, je n'aime pas parce que... ça ne ressemble à rien de ce que j'ai connu. Tu me dégoûtes. Pourquoi? J'aime pas que tu aies ce visage-là. Je suis laid? Non. Non, tu es beau. Tu es beau, tu es redevenu beau. Pas comme elles aiment toutes, comme je sais seul que tu as été. Tu as le visage que tu avais à Sainte-Barbe, avant le jour où nous avons sauté le mur à 15 ans pour aller dans une maison de femmes, tous les deux. Le visage de cette nuit dans le dortoir, où nous nous sommes jurés de nous aimer toujours et où nous nous sommes tailladés le bras avec un petit couteau tout rouillé pour échanger notre sang. Mais je vous passe tour là, tigre, je te le pardonnerai pas. Nous avons mis 1 heure à nous entailler. Parce que nous pouvions être froussards tous les deux malgré notre noble exaltation. Mais nous l'avons fait tout de même. Tu te rappelles la formule? Non. Je peux te la redire, je l'ai retrouvée hier soir, par hasard. Fais pas ça, tigre. Regarde, ma main tremble. Je suis bloqué. Dans 1 an, dans 2 ans, plus tard, on me poussera dans une petite voiture, je serai mort. Alors je ne supporterai pas que tu le redeviennes, toi, maintenant. Ça serait trop facile. Mais que je redevienne qui? Tu m'as compris. Tu es fou? Non. Ouais, tu saignes, allez, prends mon mouchoir. Excuse-moi, mon vieux, je vais me casser. Mais tu as le vin lugubre aujourd'hui. Mais le vin est toujours lugubre, apprends-le. Coupe-toi aussi et jurons. Mais jurons quoi? Jurons que nous sommes contents de nous tous les deux. Que nous continuerons courageusement de nous amuser ensemble jusqu'au bout. Si Hortensia ne te plaît plus, prends-en une autre. Si tu manques d'argent, je t'en donnerai. Si tu veux oublier, je t'apprendrai à boire. Amuse-toi comme moi, je t'en supplie. Et ne prends plus jamais ce visage-là. C'est le mien maintenant, tu puis-je? Faut choisir, tigre. Et nous avons choisi, c'est trop tard. Puis d'ailleurs, ça me ferait de la peine, mon vieux, de te voir ridicule. Beaucoup plus de peine encore de te voir heureux de cette façon-là. Tu ne m'as pas pardonné, Évangeline, n'est-ce pas? Non. Mais c'était pas un mariage pour toi, tu avais 19 ans, tu allais t'enterrer. Pardon, pardon. Je te demande pardon. Pour la première fois aujourd'hui, je pense que j'ai peut-être eu tort de t'empêcher d'épouser cette jeune fille. Oh non, pas de remords. Nous nous sommes beaucoup amusés tous les deux depuis. D'ailleurs, ce qui est fait est fait, tu n'as pas eu tort. Avec ma femme, mes 6 enfants, mes chiens de chasse, dans un vieux château de province, j'aurais vraisemblablement fait la même fin, au moins brillant. Voilà tout. On est ivrogne de père en fils dans la famille, comme d'autres sont tapissiers. Ben, un conseil en vaut un autre, hein.
Laisse ce qu'ils appellent l'amour, c'est pas pour nous. Et si tu m'aimes, tu devrais me souhaiter d'être heureux. Mais maintenant, pas comme ça. Puis d'ailleurs, faut nous faire d'illusions ni l'un ni l'autre. Il y a 20 ans que nous ne nous aimons plus. Depuis nos premiers pantalons longs. Ça ne nous empêche pas d'être bons amis. Hein? Allez, trinquons-y. Amuse-toi comme tu voudras, après tout tu es libre. Mais pas de confidence. Hein. Puis pas trop d'espoir non plus. D'ailleurs, la vie se charge de mettre les choses en ordre et de les y laisser. Elle a beaucoup d'ordre, la vie. Oui, nous verrons. Nous verrons. Mais on voit toujours. C'est ça qui est admirable dans la condition humaine. On crie « Eureka » 5 minutes avant de mourir, et le rideau tombe sur ce mot réconfort. Bonjour, Eliane. Bonjour, Héro. Tigre, je suis très ennuyée, il faut que je vous parle. Mon émeraude a disparu. Et demandez à votre femme de chambre de la chercher, ma chère. Pas à moi, j'ai horreur de cela. Mais on cherche depuis ce matin. Je l'avais hier, ici même. Je l'avais laissée dans le vestibule où nous posons tous nos costumes, car je craignais que le verre n'aille pas avec ma robe. Oh, je suis très ennuyée. Je crains l'indélicatesse de quelqu'un. Ah non, pas de roman. Faites chercher encore dans le vestiaire. Bien entendu, mais si on ne la retrouve pas, je devrais avertir l'assurance. Ils enverront quelqu'un enquêter ici. Ce sera odieux. Non, mais après le bal, ma chère, après le bal. N'allez pas me forcer à costumer vos argousins en Louis XV, dans l'espoir qu'ils passeront inaperçus. Non, après le bal, vous dites. Je regrette, Tigre, mais l'assurance doit être prévenue dans le délai d'un jour. Je vais chercher encore. Vous venez m'aider, Héro ? Ravi de me rendre utile enfin. À 37 ans, j'attends une occasion. Pas de roman, je vous en supplie. Ma chère, on empoisonne sa vie à avoir peur des voleurs et des naufrages et questionner les gens autour de vous, on n'est jamais volé et le bateau ne coule jamais. N'avez-vous pas remarqué cette curieuse chose, la vie, la vraie vie, avec meurtre, passion farouche, catastrophe, héritage fabuleux, se passe presque exclusivement dans les journaux? C'est bien ennuyeux l'histoire de cette bague. Oh, c'est bien ennuyeux. Mais Eliane a assez de bijoux pour en perdre un de temps à autre. Après tout, il serait immoral que ce soit toujours les mêmes femmes qui les portent. Je suis sûre qu'Eliane prend l'aventure moins gaiement. C'est une pierre admirable. Elle a l'intention de faire fouiller les chambres de tout le personnel. Il y a 20 ans que tous ces gens sont au service de la famille. Avouez qu'ils auraient mis du temps à se décider. Sa femme de chambre est plus jeune, c'est vrai. Mais c'est sa filleule. Elle est née dans la cuisine, comme les petits chats. Et c'est une fille qui passe son temps à la messe. À moins que ce ne soit pour acheter des cierges, je ne vois pas en quoi ce bijou aurait pu l'intéresser. Enfin, Eliane est décidée à faire fouiller partout. Ça me paraît d'ailleurs une précaution élémentaire. En somme, qu'y a-t-il ici en dehors des domestiques? Vilbos, Héro, Damien, moi... Ma chère, j'ai horreur des romans policiers. Je trouve que c'est le genre le plus niais du monde. Se torturer à embrouiller artificiellement une histoire pour se donner la fausse élégance de la dénouer en 3 pages à la fin, c'est une activité de plaisantin. Quand il m'arrive un soir de découragement d'en ouvrir un dans mon lit, je m'endors toujours avant la découverte du coupable. Et je n'ai jamais eu la curiosité de rouvrir le livre le lendemain. Il y a comme cela une quantité de crimes ténébreux dont je ne saurais jamais les auteurs. Et je m'en porte fort bien. Dans la vie non plus, il ne faut pas trop chercher les coupables. C'est le jeu le plus vain du monde. Tout le monde est coupable ou personne ne l'est. Votre goût du paradoxe risque de vous mener loin, Tigre. Je doute qu'Eliane l'ait aussi développée que vous. Ou je la connais mal, ou elle fera fouiller toutes les chambres de l'aile gauche, comme elle l'a dit. Si Eliane fait fouiller l'aile gauche, j'exige qu'on fouille aussi l'aile droite. Je perds ma montre, ma chère, et je la cache chez vous. Vous avez trouvé cette petite fable ensemble? Mes compliments. Quelle fable, Tigre? Ma petite Hortensia. Je vous ai aimé. Ouf. C'est un bien grand mot, mais il y a si peu de mots qu'il faut bien mettre plusieurs sentiments sous la même étiquette. Mes mains, en tout cas, vous ont aimé. À chacune de nos rencontres, j'ai eu une sorte de joie très pure. C'est drôle, hein? Très pure et très proche du bonheur à vous toucher. Merci, Tigre. Oh, ne me remerciez pas, vous n'y êtes pour rien. Je vais vous faire un compliment, Hortensia. Le premier et le dernier, sans doute. Vous êtes très belle. Oh, je ne parle pas de votre visage, il est charmant.
Mais je ne crois guère au visage. Et avec cette façon universelle de se farder, toutes les femmes qui ne sont pas trop laides se ressemblent, en fin de compte. Mais votre corps est très beau. Très beau. Noble et beau comme celui d'une bête. C'est la beauté, la vraie. C'est quelque chose de très grave. Si Dieu existe, ce doit être un peu lui, non? Mon Dieu? Oui. Un drôle de mot dans ma bouche. J'ai conscience d'être cocasse en lui disant, croyez-le bien. Mais le souvenir du jour où je vous ai tenu pour la première fois dans mes bras est aussi clair, aussi éblouissant en moi qu'un souvenir de petit garçon. Mon premier palais avec mon père en Italie. Le même bonheur et la même blessure. Eliane est une femme de tête, mais je tiens l'intelligence pour peu, c'est l'arme des pauvres. Laissez l'intelligence mener son vilain petit jeu toute seule, se débattre comme une marchande. Vous, tenez-vous, tenez-vous. Soyez digne de la beauté, c'est une grande dame. Ce doit être un jeu nouveau, Tigre. Mais vous ne m'aviez pas habitué à tant de gravité dans nos propos. Vous me faites peur. Oh, moi aussi, un peu. Vous croyez que cela m'amuse de naviguer à ces profondeurs? Je ne suis pas entraîné. Je m'attends à un manquer d'air d'un moment à l'autre. Tigre, cette fille est à peine jolie. Elle est fine et souple, mais elle ne sait même pas se tenir. Elle vous fera honte dans sa petite robe d'institutrice quand vous entrerez avec elle quelque part. Et si vous essayez de la déguiser, elle vous fera plus honte encore. Je vous connais. Je suis assez bête pour avoir honte, c'est vrai, mais cela n'a aucune importance. Vous êtes une autre race, Tigre. La tête et le cœur font mille bêtises, mais les mains se trompent rarement. Je suis sûre que vous me désirez encore. Oh, bien sûr, je suis capable de tout. Seulement, je l'aime. Voilà. Enfin, c'est ridicule, elle est le contraire de ce que vous pouvez aimer. Le contraire, exactement. Mais je l'aime. Voilà. Croyez-vous que c'est comique? C'est trop bête. C'est vraiment trop bête. Pardonnez-moi, mais je vous assure que c'est trop bête. Oui, c'est bête. Cette aventure me rend effectivement bête. Mais c'est délicieux. Je n'en pouvais plus de n'avoir jamais été. Monsieur le comte, madame la comtesse, qui vient de découvrir qu'il lui manque un bijou, fait faire par son intendant et son maître d'hôtel une fouille dans les chambres de l'aile gauche. Vous m'avez donné des assurances tout à l'heure sur le respect dont vous entendiez faire entourer ma filleule dans cette maison. Accepterez-vous qu'il en fouille sa chambre? Certainement pas, suivez-moi, monsieur Damien, nous allons mettre fin à cette mascarade. Voilà 2 heures, nous sommes habillés. Répétons-nous ou ne répétons-nous pas? Nous jouons, Vilbos. Nous sommes en plein jeu. Vous en étiez pas encore aperçu? La parole, on se moque de moi ici. Monsieur? Monsieur? On se moque de moi dans cette maison? Oui, c'est bien possible, monsieur. Monsieur, il me semble que vous êtes à l'origine de toutes ces manœuvres déplaisantes. C'est également possible, monsieur. Que diriez-vous, monsieur, si j'exigeais de vous une réparation? Monsieur, j'aime casser, mais je ne répare jamais. Monsieur, c'est un refus. C'est un refus! Je vous ferai retirer le mot. Vilbos! Eliane, mon amour, vous semblez hors de vous. Je suis hors de moi! Tigre vient de me faire un affront insupportable. On m'a volé un bijou. Et comme j'avais chargé Foucault et Jasmin de fouiller les chambres de l'aile gauche, il leur a interdit l'accès de la chambre de cette fille qui nous impose à tous depuis 8 jours. Il a exigé, si l'on entrait chez elle, que l'on fouille ma chambre d'abord. Et pourtant que je n'ai pas perdu ce bijou, qu'il est caché, c'est insultant. Je ne le tolérerai pas, Eliane. Permettez-moi d'aller le provoquer. Mais vous ne comprendrez donc jamais rien à rien, Vilbos. Il ne s'agit pas d'aller provoquer Tigre parce qu'il m'a manqué de respect. C'est son droit, après tout, je suis sa femme. Il s'agit de lui faire comprendre qu'il me ridiculise à s'afficher avec cette petite institutrice de rien du tout. C'est inadmissible. Comptez sur moi, Eliane. Je vais y mettre ordre. Oh.
Je viens vous apporter la clé de ma chambre, madame. Je veux qu'on la fouille comme les autres. Il se peut d'ailleurs qu'on y trouve ce bijou, ainsi tout le monde serait rassuré. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ma petite fille. Ma femme de chambre cherche encore chez moi avec mon mari. Il se peut en effet que j'ai rangé ce bijou autre part et que je l'ai oublié. Ce serait une bonne nouvelle. Oui. Ah, c'est toujours désagréable pour tout le monde. Les soupçons. Vous venez sans doute me dire que vous renoncez à jouer dans la pièce. Et peut-être même que vous n'allez plus pouvoir vous occuper de ces enfants. Oh, les pauvres petits. Ils s'étaient déjà attachés à vous, me dit-on. Réfléchissez encore. Je suis sûre que ça va leur fendre le cœur. Mais en tout cas, si votre décision était inébranlable, je pense que le mieux serait de le faire le plus vite, le plus brutalement possible. Ils pleureront toute une nuit, et puis le lendemain, ils n'y penseront plus. Et ils se mettront à en aimer une autre. Il y a, je crois, un train dans une heure. La voiture pourrait vous mener à la gare dès que votre valise sera faite. Bien entendu, quoique la décision vienne de vous, je sais dans quel embarras vous êtes, je vous ferai régler 6 mois. Hein? Oh. Mademoiselle nous dit qu'elle nous quitte. Oh, je suis désolée, Tigre, pour votre représentation, mais en 3 jours, nous trouverons quelqu'un. Pour les enfants, je lui disais que si sa décision était prise, le mieux était de partir très vite, sans les revoir. Ils s'étaient beaucoup attachés à elle, déjà, comme nous tous. Mais ils risquent de manifester davantage leur chagrin. Voici votre émeraude, Eliane. Oh, quel bonheur! Où était-elle? Dans votre chambre, sous l'un des chandeliers. Vraiment? Quelle idée ai-je donc eu d'aller la cacher, là? Je vais vous demander maintenant de faire des excuses à mademoiselle. Des excuses, mon Dieu! Pourquoi? Mais très volontiers. Je suis navrée de mon étourderie, mademoiselle. J'espère que vous me la pardonnerez et que vous n'emporterez pas un trop mauvais souvenir de cette maison. Je pense que vous êtes d'accord, Tigre, pour que Foucault règle 6 mois à cette petite. Je sais bien que c'est un coup de tête d'elle, mais enfin, si je n'avais pas égaré ce bijou, elle n'aurait pas songé à nous quitter. Ma chère, vous savez que je n'ai pas pour habitude de laisser compromettre par des contretemps quels qu'ils soient une fête que j'ai décidé de donner. Nous ne pouvons ni décommander ni faire reprendre le rôle en 3 jours. Je vous prie de bien vouloir faire en sorte que mademoiselle revienne sur sa décision. Vraiment, je lui ai tout dit, Tigre. Elle est blessée, elle s'obstine. Et je dois avouer que je la comprends. Je suis sûr que vous ne lui avez pas tout dit. J'exige cette petite réussite diplomatique de vous, Eliane, ou vous me décevrez beaucoup. Je vous laisse ensemble, nous répéterons dans une demi-heure. Allons bon. Voilà qu'il faut que je vous convainque de rester maintenant, sous peine de me brouiller à mort avec Tigre. Avouez que c'est comique. Mais je suis une faible, au fond, et les caprices de Tigre sont ma loi. Vous êtes bien jeune encore. Quand le moment sera venu de choisir, ne tombez surtout pas amoureuse d'un homme léger, mademoiselle. Vous l'aimez? Quelle question, mademoiselle. C'est mon mari. Pensez-vous qu'il soit tellement heureux à s'amuser toujours? Oh, ma petite fille, ne comptez pas sur moi pour laisser notre entretien, puisqu'on exige que nous en ayons un, prendre ce ton-là. J'ai horreur de la familiarité et des questions personnelles. Tigre m'a prié de vous demander de rester, je vous le demande. Il ferait une maladie s'il devait renoncer à cette représentation. Et d'ailleurs, pourquoi partir? Nous apprécions beaucoup vos services auprès de ces petits malheureux. Et nous ne prolongerons guère d'autre part notre séjour à Fairbrook. Tigre meurt d'ennui à la campagne. La fête donnée, nous retournerons tout de suite à Paris pour la saison et ainsi tout rentrera dans l'ordre. N'est-ce pas? Quittons-nous donc, bonnes amies. Et encore une fois, pardonnez-moi ce petit incident.
Tigre serait capable de me bouder une semaine entière s'il sentait que vous m'en tenez rigueur. Nous nous connaissons peu, au fond. Mais vous savez en quelle estime je tiens Monsieur Damien, votre parrain. J'ai parlé de vous avec lui ce matin. C'est un homme qui a une très grande affection pour vous. Oui, il me le dit. Quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi. Il est depuis des années séparé de sa femme, n'est-ce pas? C'est un homme qui surprend par la sensibilité qu'il cache sous une apparence un peu austère. Il m'a très longuement parlé de vous. Vraiment? Oh, ma petite fille. Ma petite fille, je me suis agacée un peu. Au fond, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Vous êtes si jeune, après tout. Si désarmée avec votre air de tout savoir. Je suis sûre que sans votre gravité de jeune croîcresse, vous êtes toute prête à vous brûler les ailes, comme un petit insecte éphémère à la première bougie venue. On se dit, comme ça sera beau, hein? Ça ressemblera enfin à la vie comme je l'ai rêvé. On vit le rêve une semaine et après, il ne vous reste plus que les yeux pour pleurer. Damien m'a dit que vous étiez fière et pauvre. C'est une grande qualité avec un bien grand défaut. Ah, vous pouvez bien sûr rencontrer un bon garçon dans votre milieu, mais ça ne dure pas non plus longtemps, croyez-le. Le jeune homme rougissant qui vous cueillait des fleurs à Meudon, je ne vous donne pas 2 ans pour qu'il se transforme en un petit tyran maussade et pointilleux. C'est une grande tentation d'être folle, d'être sage. C'en est une aussi, quelquefois aussi dangereuse que l'autre. Quand on est fine, jolie, intelligente et sans le sou, on est toujours un peu une déclassée, il faut en prendre son parti. Damien qui est mon ami et moi, nous nous faisions beaucoup de soucis pour vous ce matin. En somme, sa femme est au mille diables, en province. Elle est malade, plus âgée que lui, elle ne vivra pas toujours. Damien a de l'honneur, et il est encore fort bel homme. Quand je me le rappelle, il y a 15 ou 20 ans, quand il venait chez ma mère. Bien sûr, j'étais encore une gamine, mais j'ai été amoureuse de lui tout un hiver. Enfin, pensez-y. Je vous parle comme une femme qui a vécu, qui est de beaucoup votre aînée et qui serait désolée, désolée vraiment, de vous voir gâcher votre belle jeunesse pour une folie sans lendemain. Quand on n'a pas d'état comme vous, et qu'on est seul au monde, il faut d'abord penser à son avenir. Mon Dieu, je sais que ce n'est pas drôle, on a envie d'autre chose à 20 ans. Tenez, Damien nous a si longtemps et si fidèlement servi. Et pour moi, ce serait bien entendu comme si vous deveniez sa femme. Cette émeraude, précisément, ce sera mon cadeau de mariage. C'est un trop beau cadeau pour la cérémonie de ce soir. Merci, madame. Vous avez tort, c'était de bon cœur. D'ailleurs, de cette façon ou d'une autre, je sais que je ne me marierai jamais. Je l'ai juré. Et comment peut-on savoir cela à votre âge? Il y a longtemps que vous avez fait ce serment téméraire? Hier soir. Eh bien, dites à Tigre, du moins quand vous le reverrez, que j'ai fait tout mon possible. Je le lui dirai, madame. Merci. Héros! Non, pas vous, Vilbos! Héros, venez tout de suite, il faut que je vous parle! Oh, Héros, il faut empêcher Tigre de faire une bêtise. Il aime cette petite, elle est sa maîtresse depuis hier soir, et lui a dit qu'elle l'aimait. C'est ridicule et c'est fou. Je ne sais pas si vous l'observez depuis 8 jours. Oui, je l'observe. C'est répugnant. C'est répugnant. Ça, je le lui ai dit. Vous êtes avec moi, Héros. Faites quelque chose. Vous seul pouvez faire quelque chose, j'en suis sûr. Sur lui, Tigre est d'une gentillesse inaccessible. Sur elle, peut-être. Et comment ordonnez-vous, Seigneur, présentement, de plaire à cette femme et d'être son amant? Vous le pouvez, Héros, si vous le voulez. Cette petite est une folle, une romanesque, une midinette. Tout Paris sait que vous êtes irrésistible. Séduisez-la. Tant pis si nous jouons en une place. Après tout, à 15 ans, nous aimions cela. Il n'y a qu'un obstacle.
Cette jeune fille ne fait pas partie du tout Paris. Elle ne sait pas que je suis irrésistible. Sornette! Dans 2 jours, Tigre ou vous, tout s'embrouillera dans sa tête. Elle crèvera de vanité tout comme une autre que les deux hommes les plus brillants de ce château ne s'occupent que d'elle. Oh, je les connais, c'est ça, Tigre. J'étais comme cela avant que Tigre m'épouse. Les femmes sont des femmes, mon cher, toujours, même quand elles se donnent les gants d'être des anges. Je vais pas vous dire comment vous y prendre, mon petit héros. Faites-la boire un soir. Jurez-lui que vous l'aimez. Avec un peu de lune et de musique, cette bécasse le croira. Assez du moins pour vous céder ce soir-là. Après, Tigre s'en détachera. Ou s'il accepte le partage, il n'y aura plus vraiment aucun danger. Vous me faites beaucoup d'honneur, Eliane, d'être aussi sûre qu'on ne me résiste pas. Je vous dirais oui. Pour n'importe quelle femme, même ne faisant pas partie du tout Paris, après tout, je suis un professionnel. Mais pour une jeune fille, non. Ce sont des animaux bien étranges et j'en ai fort peu approché. Mais je vous dis que c'est une jeune fille, sa maîtresse. Oui, depuis hier. Elle conservera cet état de grâce encore quelques temps. Alors, vous allez laisser Tigre s'en toquer tout à fait. S'abîmer dans le ridicule. Il l'aime, héros, il l'aime, j'en suis sûre. Ça vous est égal à vous qu'il l'aime comme un petit garçon? Non, vous vous trompez, ça ne m'est pas égal. Vous avez peur de faire de la peine? De briser leur cœur, peut-être à tous les deux? Non plus. Je vous l'ai dit, j'aime casser. Héros. Héros, c'est peut-être incertain de la séduire. Admettons qu'elle l'aime vraiment. Mais nous savons tous que vous êtes une brute. Vous la désirez comme un fou, cette fille. Vous avez bu, comme tous les soirs. Elle criera, bien sûr, mais que peut faire une petite fille avec ses griffes, ses coups de poing maladroits et ses larmes contre le désir d'un homme? Si elle l'aime, elle fuira de honte dès le lendemain. Évangeline. Qu'est-ce que vous dites? Le nom d'une jeune fille, Madame Blumenstein. Vous avez dû la rencontrer, elle a épousé un banquier. Elle était très belle. Elle n'a pas été très heureuse en ménage. Elle est morte il y a quelques années. Une mince jeune femme blonde avec 2 grands yeux ravissants. L'air d'une biche sacrifiée. Je me la rappelle très bien, elle nous avait présenté chez les Rothschild. Mais quel rapport? Un très vague, un très lointain rapport. Je suis heureux que vous vous souveniez d'elle. Allons répéter maintenant, Eliane. On nous attend. Il faut que cette pièce soit bien jouée, quoi qu'il arrive. Et comme toutes les choses qui n'ont aucune importance, ça en a beaucoup. Son mari était un mufle. On a même dit qu'il la battait. J'ai une idée. Je vais faire envoyer un télégramme à Tigre. L'appeler au dehors ce soir. Gonto Biron nous rendra service. N'ayez pas peur. Vous attendez Tigre? Bah, il vient téléphoner qu'il ne pourra rentrer que très tard cette nuit. Il m'envoie vous le dire et vous tenir un peu compagnie. Un petit verre avec moi? Merci. Oh, vous avez tort. Vous permettez tout de même que je me serve? Au point où j'en suis, il serait imprudent de m'arrêter. Non, je serais ivre, tout d'un coup, là, je me conduirais mal. En buvant encore un peu, je recule l'échéance. Ça vous ennuie pas de bavarder un moment?
avec vous. D'ailleurs, c'est un ordre de tigre. Il m'a dit, va lui dire que je ne rentrerai pas, tiens-lui compagnie un moment. Ben, il avait dû espérer que vous me répondriez de temps en temps. Que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas, moi. Quelque chose de gentil. Vous vous êtes trompé, que c'est pas Tigre que vous aimez, que c'est moi. Bon, alors dites-moi que vous aimez Tigre. Ça me fera moins de plaisir, bien sûr, mais enfin, ça sera quand même mieux que rien. Je ne peux pas croire qu'il ait souhaité que nous parlions de cela tous les deux. Je ne peux pas croire qu'il vous ait parlé de moi. Oh, mon enfant, mais vous connaissez pas les hommes. Des commères. On se dit tout. Vous l'aimez? Ah ben, nous lançons déjà des boules puantes aux filles quand vous songiez pas encore à venir au monde, cher bébé. Nous avons même échangé notre sang, une nuit, en cinquième, dans le dortoir. À la vie, à la mort. Alors, l'occasion de mourir l'un pour l'autre ne s'est pas présentée tout de suite, voilà tout. Et depuis, nous avons vécu. Vous savez, Castor et Pollux. Oui, c'est une fable. En tout cas, nous nous aimions bien, il n'y a pas eu une histoire de femme dans notre vie qui réussit à nous séparer. Et il a eu beaucoup de femmes, lui? Oh, cher bébé. Non, il vous adore, hein, c'est entendu. Il a découvert avec vous quelque chose qu'il ignorait complètement, mais enfin quand même, avouez qu'il eût été imprudent de sa part et incertain de vous attendre. Alors, ça vous fait beaucoup de peine qu'il ait vécu? C'est mon secret. Oui, ben gardez-le, mon ange. Gardez-le, avec votre petit mouchoir par-dessus. Je m'intéresse assez peu personnellement aux confidences. C'est toujours à peu près la même chose et ça soulage que celui qui l'ait fait. Oh, ben vous êtes jeune. Vous débarquez au pays de l'amour. Vous devez avoir l'impression d'être une exploratrice, hein, de découvrir des continents. Non, mais ne protestez pas, hein. C'est très gentil, tout ça. Vous apprendrez bien assez vite que la pièce ne comporte que deux ou trois rôles, deux ou trois situations, toujours les mêmes, et que ce qui jaillit irrésistiblement du cœur dans les plus grands moments d'extase, ça n'est jamais qu'un vieux texte éculé, rabâché depuis l'aube du monde, par des bouches aujourd'hui sans dents. Mais c'est depuis hier que j'aime Tigre. Et j'ai 20 ans. Alors votre petit discours avec moi, c'est du temps perdu. Touché. Compliment. Je vois que vous avez oublié d'être sotte. Vous n'aviez qu'une chose à répondre à mon désenchantement d'ivrogne et vous l'avez tout de suite trouvé. Ah, quel chansard, ce Tigre. Il aura réussi ça aussi. Oui, oh non, mais il réussit tout. Que ce soit au concours hippique ou en amour... Et qu'est-ce qu'il a réussi? De vous trouver. De vous toucher. Tigre à tous les talents. Hein? Je parie que vous étiez vierge comme pas une et que vous étiez jamais laissé toucher avant. Ah. Bon, alors, je la blesse. Bon, allez, buvez un petit verre avec moi. Chaque mois qui boit, nous n'arriverons jamais à nous parler. Non, merci, monsieur. Non, merci, monsieur. Bien poli avec ça, hein? Bien propre, bien net. Un beau petit caillou tout luisant que monsieur a trouvé sur la plage sans même chercher, en se baladant, les mains dans les poches et le nez en l'air, comme toujours. Oh non, je vous dis qu'il a trop de chance, hein? C'est agaçant. Positivement. Ça, si je ne l'aimais pas tendrement comme je l'aime, ça m'agacerait. Seulement, il se trouve que je l'aime. Pas de la même façon que vous, hein, bien sûr. Enfin, beaucoup tout de même. Alors, je lui pardonne tout. Bah, parlons de lui. Voilà. Ça va être bon. Et comme ça, peut-être, après, je dormirai tout à l'heure. Un petit verre, quand même? Non. Non.
Comment avez-vous pu vous donner comme ça à lui tout de suite, pour la première fois? Hein? Après tout, vous ne le connaissiez pas hier. Non, je ne suis pas un voleur de secrets, mais enfin quand même, c'est si joli tout d'un coup. Ça ressemble si peu à ce que j'ai connu. Ça serait capable de me convertir. Non, hein? Vous ne voulez rien me dire. Alors je ne saurais jamais, même par oui dire, comment ça se déclenche. L'amour. Je n'avais jamais su supporter qu'on me touche. Et quand il m'a prise dans ses bras la première fois, j'ai senti que j'étais enfin arrivée quelque part. Voilà tout. Et s'il avait seulement voulu s'amuser de vous? C'est le risque des filles. Elles n'ont qu'à savoir, il ne faut pas non plus trop s'attendrir sur les idiotes. Oui, bien sûr. Oui, non, mais enfin quand même. Qu'avez-vous pu espérer à première vue de ce plaisantin, de ce saltimbanque distingué? Rien. Rien que d'être bien une minute dans ses bras, comme je l'ai tout de suite été. Et après? Après? Oui. Après, s'il faut vivre l'autre vie, la vraie, celle qu'on doit tout simplement gagner, eh bien, il ne manque pas d'orphelins dans le monde et on a toujours besoin d'une fille pour s'occuper d'eux. Ça ne fait rien. J'aurais eu ma peur. Même pas Colante. Ah, sacré tigre, l'aura coupé tout ce qui est un peu vulgaire sur cette terre. Arrivé au milieu d'une vie de fête, fatigue, inutilité, vague à l'âme, monsieur lève un doigt, paraît un ange. Monsieur se sent un jour porté à l'idylle, l'idylle, ben là voilà, monsieur le comte, sur un plateau. L'idylle, elle est à vous, suffisait d'en formuler le désir. Une jeune fille... secrète, invisible, intouchable, soigneusement gardée pour vous. Elle est là, elle vous attendait. C'est vrai, je l'attendais. Et il n'y avait plus qu'à paraître. Et c'est garanti sans tâche et éternelle. Que d'autres se contentent de ces femmes qui se prêtent à tout le monde dans la journée pour se donner à vous le soir, de ces femmes qui sourient éternellement à la vitrine, comme des mannequins de coiffeur, qui passent leur vie à faire plaisir. Parce que je suis sûr que vous ne changerez jamais, vous. Hein? Vous serez toujours aussi désagréable, même quand il vous aura acheté des robes, où tout le monde vous dira que vous êtes jeune. Mais il ne m'achètera jamais de robes, n'y comptez pas. Bah pourquoi? Parce que je n'en veux pas. J'ai pris la bonne habitude de m'en acheter une toute seule de temps en temps, et je voudrais la garder. Tout. Tout. Il aura tout. L'intelligence et la sagesse s'en prie. Vous êtes riche. Je suis pauvre et fier. Votre argent peut nous jouer un mauvais tour, je supprime un geste, il ne compte pas. Hein? Monsieur n'aura même pas à être gêné, car je suis sûr que vous continuerez d'exiger de garder bien sagement les 12 orphelins d'attente et que vous vous contenterez de lui entrebâiller la porte de votre mansarde de soir. Non, tout de même. Non. Mais je chercherai une autre maison d'enfants pas loin de Paris et il pourra venir me voir quand il voudra. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, ce sera trop gentil. Puis il vous demandera bien poliment au parloir et vous tremblerez tous les deux que la directrice ne vous fasse des réflexions. Et il rougira comme un petit jeune homme. Il va tout s'offrir une seconde fois. Il va avoir 20 ans comme un rien, toute la candeur, tout l'avenir devant lui. S'offrir ça à 40 ans! Quand on commence à avoir assez bu, non, 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 c'est trop, hein. Je vous dis que c'est trop! Mais qu'est-ce que vous savez? Non, je veux dire que c'est trop beau, tout simplement. C'est un vrai conte de fées, mademoiselle. Monsieur, nous avons bavardé un moment comme il le désirait. Et je dois me lever tôt demain matin pour les... Nous n'avons pas bavardé 5 minutes. Asseyez-vous donc, mon petit. Donnez-moi encore un petit délai. De toute façon, je vous assure que je dormirai moins que vous. Alors, vous voyez bien que je m'accroche. Que je meurs d'angoisse de me retrouver seul. Seriez-vous pas charitable, mademoiselle?
D'ailleurs, je ne suis pas très compromettant, vous savez. Une jeune fille peut me tolérer assez tard dans la nuit sans danger. Alors, je ne suis pas très ragoûtant non plus, ça j'en conviens. Une vraie loque. Et j'ai un an de moins que Tigre. C'est ce qu'on appelle une vie de plaisir. Mais pourquoi n'essayez-vous pas de boire, moi? Ah ben, pourquoi l'essayerais-je? Faudrait pour ça que je rencontre comme monsieur un ange qui me mette l'aile sous le bras. Hein, les anges sont rares. Mais vous le rencontrerez peut-être. Oui. Et avec ce verre à la main, avec ma gueule d'ivrogne, avec mon odeur. En qualité d'ange, avouez que si c'était moi qui vous avais fait la cour, vous auriez probablement remis ma conversion à une date ultérieure. Alors, qu'auriez-vous fait? Si avait été moi, au lieu de Tigre, qui vous avait dit « Vous me plaisez ». Non, attendez, jouons le jeu, une minute. Pour rire. Pour tuer ce soir qui me fait peur. Tigre ne vous a pas parlé. Voilà, vous n'aimez pas Tigre, voilà 8 jours que je vous regarde en silence à table et ce soir, je suis là sous un prétexte pour vous dire, comme lui, que j'ai très envie de vous. Oh, c'est un jeu que je ne veux pas jouer. Il serait laid. Mais comment pouvez-vous ne pas le comprendre? Vous êtes son ami. Et s'il savait que vous vous amusez ainsi ce soir, qu'en penserait-il? Bah, pensez bien que nous sommes déjà souffler quelques maîtresses, tous les deux, comme tous les bons amis. Hein? Oh, et puis d'ailleurs, ça ne serait jamais qu'une revanche. Il y a eu un ange dans ma vie. Je mentais. Il y a très longtemps. J'avais 19 ans et j'avais encore très peu bu. Il vous a pris? Non, il ne me l'a pas prise. Me l'a fait quitter. Pour des prétextes que j'ai cru valables à l'époque. Alors elle a épousé un autre homme qui l'a rendue très malheureuse et elle est morte. C'était cet insignifiant épisode de courte fiançaille rompue que je dois d'être ce que je suis, mademoiselle. Seulement Tigre me doit une jeune fille, maintenant. En échange. Sortez où je vais appeler. Il n'y a personne ici, mon petit chat. D'ailleurs, n'ayez aucune crainte, je ne veux pas vous toucher, je dois seulement vous parler. Mais je l'aime, je ne vous écouterai pas. Si, mon petit cœur. Non, je me boucherai les oreilles. Eh bien, je crierai assez fort pour que vous m'entendiez. D'ailleurs, vous desserrez vos mains vous-même pour m'entendre. C'est trop bon, les mots qui vous condamnent, on n'y résiste pas. Ça ne m'intéresse pas, vos complications de névrosé, d'ivrogne. Je suis jeune, je suis saine et je l'aime. Depuis 8 jours, je me débat et j'ai réussi à vaincre toute seule tout ce qui nous sépare. Vous aurez honte demain de cette vilaine scène. Rentrez chez vous. S'il vous plaît, rentrez chez vous. J'ai jamais honte, ma chère. Êtes-vous à ce point l'ami de sa femme? Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'elle ne l'aime pas. Alors qu'est-ce que ça peut vous faire que nous nous aimions? Je ne lui demande pas de m'épouser, même pas de se charger de moi. Je serai invisible, je travaillerai. Il pourra continuer à mener sa même vie dans son monde, si c'est cela qui vous fait peur à tous. Je demande simplement qu'on ne nous empêche pas de nous aimer. Alors pourquoi vous donner tant de mal pour essayer de compromettre quelque chose qui peut être vrai et beau, et qui ne demande qu'à vivre? Parce que vous le haïssez? Même pas. Mais pourquoi alors? J'aime casser. Pauvre héros. Pauvre petit monstre. Vous ne me faites même plus peur maintenant. Comme vous devez être malheureux avec ce poids sur votre dos. Mais c'est mon affaire, mademoiselle, si je suis malheureux. Veuillez vous occuper de ce qui vous regarde. Cela me regarde. Vous essayez de me faire du mal et j'ai seulement pitié de vous. Moi, je vous défends d'avoir pitié. Pauvre petite institutrice de rien du tout. Pauvre petite larve.
bien pensante, avec son sang de navet, ses petites mains, ses petits pieds bien propres dans sa petite robe de 4 sous. Sale petite musaraigne à principe, à bon sentiment et à économie. Vous êtes ce que je hais de plus au monde. Ce que je trouve de plus niais, de plus bête. Ça se voit. Je vous défends de me regarder comme ça. Vous savez où se trouve Tigre ? Ce soir, en fin de compte. Vous savez ce qu'il y avait sur ce télégramme qu'il a appelé brusquement ? Vous savez de quelle commission il m'a chargé pour vous ? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Tu dingue ! J'ai encore rien dit ! Même pas de courage, alors, hein ? Ah, vous devez crier comme ça chez le dentiste, tiens, je vous vois. Avant même qu'il ait pris ses instruments, hein ? Ça vous toise de haut, ça vous joue Jeanne d'Arc, Antigone, Tutti Quanti, tout ce que ça a lu dans ses bons petits livres à l'école. Et puis quand le moment est venu, allez, hein, le petit mouchoir, les petits cris, les petites larmes, comme les autres. Ça sait même pas se tenir, ça veut se permettre de vous juger, d'avoir pitié de vous. Vous êtes un monstre. Oui, allez, la petite crise de nerfs, allons-y. Je ne pleurerai pas. Bon ! Le mépris, tant mieux, j'aime mieux ça, j'ai horreur des larmes, c'est dégoûtant. C'est vrai que vous êtes belle en ce moment. Vous êtes belle. Toute dure, toute crispée. Une petite bête forcée dans un coin par les chiens, adossée au mur et qui fait face. Hein. Faut être idiote comme ces deux pauvres perruches pour pas vouloir en convenir. Le petit poison du château, la petite empêche. Mais parlez donc enfin. Ah, vous voyez qui vous tarde maintenant, mon petit chat. Mais nous avons le temps. Hein? Il n'y a personne ici. Tigre, ma chère, s'est aperçu trop tard qu'il avait fait une bêtise. Une bêtise grosse comme lui. S'il m'avait demandé conseil avant, je lui aurais dit de vous éviter cette peine. Hein, vous étiez vierge, c'était votre petit capital. Il n'aurait pas dû y toucher. Et puis vous avez de la qualité. Qu'on fasse ça qu'une petite chambrière passe. Après tout, si c'est pas vous qui le faites, cette garçon d'étage qui se l'offrira. Vous valez mieux, je le reconnais. Enfin, lui en veuillez pas trop tout de même, hein, il n'est pas méchant. C'est un tendre. C'est un tendre incurable! Et qui se monte un peu vite la tête. Voilà tout. Et puis enfin, il a des excuses, hein. T'es si gentil. Un petit être tout neuf qui se blottit dans vos bras, qui est là, qui vous dit qu'il vous aime, qu'il est à vous, pour toujours. Toujours. C'est cette nuit. Hein, c'est tout de suite, c'est ce plaisir nouveau qu'on ne connaissait pas. Comment voilà, c'est que le lendemain, la petite vous aime encore. Toujours, pour elle, ça fait commencer que le petit déjeuner. C'est qu'il va falloir s'occuper d'elle, maintenant. Vous dirai-je toute la vérité, ma chère. Oui. Bah, vous êtes assez forte, maintenant. C'est ça qui a fait peur à Tigre, mon petit chat. Une petite amie dans une vie comme la sienne, ça se case. Un grand amour désintéressé, c'est hors de prix. Alors il a pensé, mettez-vous à sa place, qu'il valait mieux trancher dans le vif. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé lui-même ? Bah, pourquoi voulez-vous que cet aimable fêtard soit un héros ? Mais pourquoi m'a-t-il dit qu'il m'aimait ? Mais je sais pas, mon petit chat. Je sais pas, une certaine facilité de parole, l'émotion, l'entraînement, la contagion. L'amour, ça se prend comme la grippe. Vous êtes jeune, vous en verrez d'autres. Méfiez-vous des sentimentaux, ma petite biche, sans les pires. C'est tout ce qu'il vous a dit pour moi. Non. Non, bien sûr. C'est un gentleman. Alors, d'abord, un chèque. Que vous allez refuser, bien sûr. Oui. Non, là, j'en conviens avec vous, je le trouve lourd. Moi, j'en aurais même pas parlé, mais enfin, je suis qu'un commissionnaire.
Puis alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit « bavarde avec elle, tâche donc de la consoler. » Petite héroïne de carton. Laissez-vous donc aller, va. C'est mieux les larmes. Ça serait dit, ça fait la fièvre. Ça veut se conduire comme une vraie dame. Ça jouait à la poupée. Hier encore, et au premier chagrin, ça courait se jeter dans les jupes de sa maman. Seulement voilà... Il n'y a plus de maman. On est grand maintenant, on est seul. Parce qu'on peut être seul dans la vie, n'est-ce pas, mon petit chat? J'en sais quelque chose. Vous qui avez déjà un peu pitié de moi tout à l'heure, je suis sûr que vous comprenez maintenant. Elle va boire son petit verre d'alcool maintenant. Bien sagement. Puis après, elle en boit un autre. Et puis encore un autre. Et elle aura compris, elle aussi. Évangélie. Mon pauvre petit, mon pauvre petit. Comme c'est laid de vivre, n'est-ce pas? Ça croyait tout, ça puis a fait d'impatience, et puis... un beau jour, ça se retrouve tout seul avec la vie devant soi comme un gouffre. Alors sa épouse, un vilain banquier présenté par la famille, qui en a assez, elle, d'attendre la famille, une espèce de brute dans son lit la nuit. Alors ça pleure encore pendant un ou deux ans, en se cachant, bien modeste. Et puis quand c'est trop fatigué, ça meurt. Voilà tout. Sans rien dire. Sans avoir laissé plus de traces sur la terre qu'un passage d'oiseau. Mon enfant. Mon tendre enfant. Mon pauvre petit enfant perdu. Oui, je suis en retard, je suis rentré au milieu de la nuit. Excusez-moi, mon cher, de vous avoir imposé à tous une répétition matinale. Mais nous passons après-demain, et cet après-midi, j'ai l'orchestre sur les bras. Il faut que je règle la musique. Monsieur, je vous attends depuis une heure déjà. Il m'a été impossible de vous parler hier seul à seul. J'ai une grave conversation à avoir avec vous. Vous me semblez très gai, monsieur, et très heureux. Ah oui, très gai et très heureux, Villebosse, comme je ne l'ai jamais été. Vous avez de la chance, monsieur. D'autres le sont moins. D'autres souffrent. D'autres n'ont pas les mêmes motifs que vous de se réjouir. Ah, je l'espère bien. Ce sont des motifs qui me sont très personnels pour une fois. Jusqu'ici, j'avais eu la faiblesse de ne me divertir qu'en commun. Je m'aperçois que le bonheur est un exercice solitaire.
Y aurait-il quelque allusion sous vos paroles? Ah oui, il y a toujours eu quelque allusion, Villebosse, sous les mots prononcés. On les a même inventés que pour cela. S'il y avait une allusion, monsieur, elle serait déplacée. Notre situation à tous deux est délicate, ne l'oubliez jamais. Oh, mon cher, elle ne m'a jamais empêché de dormir. Depuis ce matin, vous tombez mal, je suis justement décidé à l'oublier complètement. Que voulez-vous dire par là, monsieur? Que je suis ravi que vous soyez l'amant de ma femme. Je vous trouve un homme extrêmement distingué. Sachez, monsieur, que je vous interdis de plaisanter avec l'honneur de la comtesse. Rentrez le mot, monsieur, rentrez ou vous m'en rendrez raison. Quel mot, monsieur? Celui que vous venez de prononcer, monsieur. Votre cynisme est une pose odieuse. Je ne souffrirai pas qu'il éclabousse un être qui a droit à notre respect à tous deux. La comtesse, monsieur, est au-dessus de tout soupçon. Oh, diable, Villebosse, quel soupçon? Ah, vous m'avez fort bien! Vous m'avez fort bien entendu, monsieur! N'essayez pas de me faire répéter une expression que je juge blessante. Si vous vous croyez autorisé à colporter partout que votre femme a une aventure, vous aurez affaire à moi, monsieur! Ah, vous êtes adorable, Villebosse. Ah, vous êtes adorable. Je ne me lasse pas de vous entendre et de vous voir évoluer. Vous êtes l'homme le plus drôle que j'ai jamais connu. Mais je souffre, monsieur, moi, tout simplement. Je souffre, je suis insincère. Ah, je vois, je vois. J'aurais beau faire, je ne me ferai jamais à la corruption du petit monde frelaté où vous vivez. J'arrive de Carcassonne, moi. Nous y sommes de petits au bureau. La maison de la famille a gardé ses fossés et son pont-levis depuis le XIIIe siècle. Nous n'en avons jamais bougé. Nous n'y avons jamais badiné avec l'honneur des femmes et nous n'y avons jamais fait mettre le chauffage central. Alors rentrez le mot, monsieur, rentrez, c'est tout. Quand j'ai su que j'aimais la comtesse, je vous ai proposé de lui battre. À outrance. C'était clair, j'épousais la veuve ou je disparaissais. Vous avez refusé. Oui, j'étais pas décidé à mourir ce jour-là. Ni à vous tuer non plus, moi je vous aime bien, Villebosse. Vous avez voulu cette situation compliquée et dégradante. Oh, j'ai voulu vivre, c'est toujours compliqué et dégradant. Oui, eh bien c'est fait maintenant, c'est fait. L'honneur et le bonheur de la comtesse me concernent personnellement, monsieur. Alors voilà ce que j'ai à vous dire. Je ne supporterai pas que vous trompiez votre femme, monsieur. Comment? Vous m'avez fort bien compris. Je ne supporterai pas que vous la ridiculisiez comme vous le faites, avec n'importe qui. Vous vous tiendrez, monsieur, dorénavant, vous vous tiendrez convenablement. Vous aurez affaire à moi. Qu'exigez-vous, Villebosse? La rupture immédiate avec cette jeune personne, le retour au foyer conjugal. La comtesse commençant à passer l'éponge, elle oublie. Enfin, monsieur, il est étrange que ce soit à moi à vous le rappeler. C'est votre femme. Oh, je vous aime de plus en plus. Allez. Villebosse, embrassez-moi. Mais non, monsieur. Mais pourquoi? Je suis sûr qu'au fond, vous m'aimez bien, vous aussi. Allez, embrassez-moi. Mais non, monsieur, ça ne serait pas convenable. Gardons nos distances. La situation est beaucoup trop délicate. Ah, Eliane. Oh, quand je pense, tigre, que vous avez réussi à nous faire lever à 10 heures. Mais c'est ravissant, cette aube. On attend de ne pas se lever plus tôt. Vous avez passé une bonne nuit? Oui. J'aimerais vous dire deux mots, Eliane. Villebosse. Chère Eliane. Voulez-vous vous rendre utile? Toujours. Courez dans toutes les chambres et ramenez le retardataire. Dans 10 minutes, il faut que nous répétions. Comptez sur moi, Eliane. Dans 10 minutes, tout le monde sera là. Je vous écoute. Je vais être bref, mais vous êtes une femme d'esprit, Eliane, et je sais que vous comprendrez vite. Quel air grave. Oui, j'aime cette jeune fille. Bien.
Nous avons vécu très intelligemment tous les deux, Eliane, avec la même horreur du drame. Vous m'avez passé mes maîtresses, je ne vous ai jamais demandé avec qui vous preniez le thé. Notre maison est l'une de celles où l'on a plaisir à venir, et étant donné ce que l'on fait ordinairement du mariage, le nôtre, en somme, a été délicieux. Nous avons vécu comme on danse, en musique, sur des pas réglés et avec grâce. Et tout cela ne vous séduit plus ? Oh, tout cela continuera à me paraître toujours la seule façon intelligente de vivre, d'échapper au désordre et à la vulgarité seulement. Seulement ? Seulement. Cette ligne de ma vie si gracieuse et si nette depuis mon premier cotillon réussi jusqu'à ma présidence probable du Jockey Club dans 20 ans, et à mes obsèques avec tout Paris en haute forme à la Madeleine, je viens de m'apercevoir que ce serait sans doute un joli souvenir pour les autres, un joli thème d'article pour le Figaro, et rien pour moi. Je ne savais pas pourquoi j'étais si gai toujours. Je m'ennuyais. Mais c'est cette petite fille qui vous l'a fait comprendre dans sa mansarde ? Oui, oh. Vous avez trop de goût, Eliane, je le sais, pour ne pas me dispenser de vous décrire mes sentiments. Je l'aime. Je ne savais absolument pas ce que c'était. C'est tout bête, sans brio, sans grâce, sans drôlerie. Sans rien de ce que je croyais aimer, mais cela est... Est-ce si nouveau, Tigre ? Je vous ai vu deux ou trois fois au bord du suicide parce que les filles vous résistaient. Oh, mon désir contrarié m'était insupportable. Il me fallait tout de suite ce que je voulais très fort. Je n'ai même pas cette hâte, cette fois. Ma plus grande joie est d'être avec elle. Rien d'autre ne m'amuse plus. Mais si, pour une raison ou pour une autre, vous me demandiez d'attendre, Eliane, je pourrais attendre très longtemps, sans me lasser. Je ne vous prendrai pas au mot. Ce serait trop triste que vous perdiez cette belle confiance toute neuve en l'essayant. Vous savez que je ne vous ai jamais refusé de prendre un plaisir. Ma pauvre Eliane, mais nous parlons maintenant d'un monde à l'autre, c'est bien cela qui me fait peur. Il ne s'agit pas de prendre cette fois. Bon, de quoi s'agit-il ? De donner. Vous avez du temps, de l'argent en poche. Donnez, mon ami. Donnez, qui vous en empêche. Faites un petit voyage avec elle. Achetez-lui des robes. Vous dites depuis 10 ans que vous voulez aller en Chine, aller à Barbizon et cacher vos amours. Je dirai à nos amis que vous êtes à Pékin. Ma pauvre Eliane, c'est bien plus loin que la Chine que je vais partir. Voilà deux fois que vous dites ce mot dont j'ai horreur. Je ne suis pas votre pauvre Eliane. Tout ça m'amuse beaucoup. Vous voulez notre séparation, Tigre ? L'épouser ? Bon, pourquoi faire de la peine à votre oncle le Monsignor et avec un divorce, ça me paraît tout à fait inutile. Elle ne vous l'a pas encore demandé ? Elle vous le demandera dans 8 jours. Ces petites personnes qui se donnent en premier venu dans des mansardes ont un très grand souci de respectabilité. Voilà la seule séparation que je crains entre nous, Eliane. Que votre dépit et votre colère vous fassent dire un mot malheureux. Je vous ai toujours estimé et admiré. Il y a déjà une émeraude entre nous, n'y ajoutez rien. Résumons-nous. Nous donnons 7 fêtes tout de même et vous partez le lendemain pour tout le temps que vous aimerez cette petite, pour tout le temps qu'elle vous aimera. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Et sans trop d'inquiétude, renvoyez. Amusez-vous bien, Tigre. Vous me raconterez au retour. Oh, oh ma petite Hortensia, si bonne, si tendre, si confiante. Ah, les hommes ne valent pas cher. Je l'aime beaucoup maintenant, votre parfum. Oh, mon petit héros, vous êtes tout sombre. Héros, vous n'avez pas été raisonnable, encore une fois. Oh, héros, posez ce verre, il est trop tôt pour boire. Non ! Il est affreusement ivre. Je vous défie de répéter avec lui, il ne peut même pas articuler un mot. Quant à la jeune fille et à Damien, ils ne sont pas dans leur champ. Tigre, vous seul pouvez la retrouver. Voulez-vous monter et la ramener ? Je m'excuse, madame la comtesse, mais je vais être au regret de rendre mon rôle à monsieur le comte et de quitter le château. Mais que nous chantez-vous là, monsieur Damien ? Nous passons après-demain. Ma filleule est partie au petit matin, seule à pied pour la gare. Ce coup de tête n'est peut-être qu'une conséquence de la malheureuse affaire d'hier. Après cet incident pénible, je ne crois pas devoir rester non plus. Comment avez-vous su qu'elle était partie ? Elle est peut-être au village. En m'entendant la prendre dans sa chambre tout à l'heure, j'y ai trouvé cette lettre pour vous, monsieur le comte, sur sa commode. Et une autre pour moi. Mais enfin, Damien, vous rêvez. Nous avons eu une conversation très amicale toutes les deux hier soir. L'incident était tout avec l'eau. Qu'est-ce qu'elle dit sur cette lettre ?
Vous avez raison, c'était impossible. Je suis parti, je ne vous reverrai jamais. Et c'est tout. C'est vraiment extraordinaire. Damien, vous qui le connaissez... Madame, excusez-moi. Mon train part dans quelques instants, je n'ai que le temps de rejoindre la gare. Sa lettre ne me dit rien d'autre sinon sa détermination de ne pas me revoir non plus. Il a été blessé sans doute, et plus gravement que nous le supposons. La voilà partie, Dieu sait où. Toute seule, avec sa blessure, sans appui, sans argent, sans rien. Oh mon Dieu, si au moins on lui avait fait régler ses 6 mois. Sans doute, et courir les routes. Mais quelle route ? Rattrapez le don Damien, elle vous déposera à la gare. Adieu, madame. Cette petite a dû prendre l'omnibus de 5 heures qui se dirige à Alençon. Elle a déjà fait son changement là-bas. Tigre ne saura jamais dans quelle direction. Il n'a aucune chance de la retrouver. Elle peut se raviser, lui écrire. Oh, ne le croyez pas. Maintenant, nous pouvons bien le dire, c'est une fille qui avait de la qualité. Son départ même le prouve. Elle l'aimait, certainement, c'est pourquoi elle faut être sans inquiétude. Après ce qui s'est passé, elle ne tentera plus jamais de la voir. Que va faire Tigre ? Comme vous êtes bonne, Hortensia. Décidément, il y a une faille chez vous. Il sera triste un mois ou deux, et puis il recommencera à s'amuser. D'ailleurs, nos premiers invités seront là ce soir. Pendant 2 jours, si malheureux qu'il soit, il ne pourra penser qu'à sa fête. Et pour le rôle ? Léonore, à qui Tigre avait d'abord confié le rôle et qu'il avait entièrement appris, consent à oublier le vilain tour qu'il lui a joué. Elle a pris l'avion pour Le Mans, elle sera là dans 1 heure. Eh oui. Ma petite amie, je vous aime beaucoup, mais j'ai crainte qu'on ne fasse que vous ne soyez pas de taille. Que voulez-vous ? Il s'agit de consoler Tigre avant tout. Dans 2 jours, il ne pensera plus qu'à Léonore, il a horreur qu'on lui résiste. Venez, ma chère, allons déjeuner, tout cela creuse. Eliane, je n'ai pas déjeuné non plus. Monsieur. Monsieur. Un instant, je vous prie. Vous êtes un fin tireur, je crois, monsieur. Que voulez-vous dire par là, monsieur ? Je me suis même laissé dire que vous aviez gagné plusieurs championnats importants au pistolet. C'est exact, oui. Bien, je veux vous dire que vous n'êtes pas aimé comme vous pouvez le croire. Comment, monsieur ? On n'est jamais aimé comme on peut le croire, monsieur. C'est une vérité générale. Et pour vous, il y a une vérité plus particulière. Et puis hier, pour employer un mot qui m'aurait plu, vous êtes coach. Vous êtes ivre, monsieur. Retirez le mot. Oui, je suis ivre. Je suis ivre, c'est quand je suis ivre que j'ai toute ma tête, je maintiens le mot. Il est exact, monsieur. J'étais pas dans ma chambre, mais j'étais dans une autre chambre. Mal compris. Savez-vous bien ce que vous osez insinuer là, monsieur ? Il me semble que c'est assez clair. Ne me faites pas répéter un gros mot. Fort bien, monsieur. Vous avez au moins le mérite de la franchise. Nous nous battrons. Le temps matériel de faire venir 2 de mes amis. Faites vite, je reçois demain matin. J'ai la même hâte que vous. Monsieur ? Pour que tout soit parfaitement régulier, giflez-moi. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Si, monsieur, si vous ne me giflez pas, je ne me bats pas. Mais puisque nous sommes décidés à la rencontre, monsieur, je vous laisse le choix des armes.
si c'est cela qui vous inquiète. L'oreille, si vous me giflez, monsieur, je connais les règles. Giflez-moi tout de suite. Non, monsieur. Tout de suite, bon Dieu. Ou je sens que mon verre dans la figure. Et fort. Hein. Je veux le sentir. Allez. Allez, ça me coque. C'est absurde. Oh. Non, c'est très bien. Choisis le pistolet.